Est-ce la plus belle ville du monde? On voudrait la découvrir à l'aube, sans la connaître, sans la doubler d'habitude et de souvenirs. On voudrait la deviner par les seuls moyens des détectives de romans, la longue vue et le microphone. Oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il poursuit mes pas. Merci, 1635. Paris est cette ville où l'on voudrait arriver sans mémoire, où l'on voudrait revenir après un très long temps pour savoir si les serrures s'ouvrent toujours aux mêmes clés, s'il y a toujours ici le même dosage entre la lumière et la brume, entre l'aridité et la tendresse, s'il y a toujours une chouette qui chante au crépuscule, un chat qui vit dans une île, et si l'on nomme encore par leur nom d'allégorie le Val-de-Grâce, la porte dorée, le point du jour. C'est le plus beau décor du monde. Devant lui, 8 millions de Parisiens jouent la pièce ou la sifflent. Et c'est eux seuls, en fin de compte, qui peuvent nous dire de quoi est fait Paris au mois de mai. Le 1er mai 1923, Jean Giraudoux montait sur la tour Eiffel et écrivait. Ainsi j'ai sous les yeux les 5000 hectares du monde où il a été le plus pensé, le plus parlé, le plus écrit. Le carrefour de la planète qui a été le plus libre, le plus élégant, le moins hypocrite. Cet air léger, ce vide au-dessous de moi, ce sont les stratifications qu'ont bien accumulées de l'esprit, du raisonnement, du goût. Tous les accidents du travail sont ici des accidents de la pensée. Il y a plus de chance qu'ailleurs pour que les dos courbés, les rides de ces bourgeois, de ces artisans, étaient gagnés à la lecture, à l'impression, à la reliure de Descartes et de Pascal. Voilà l'hectare où la contemplation de Watteau a causé le plus de patte-doie. Voilà l'hectare où les courses pour porter à la poste Corneille, Racine et Hugo ont donné le plus de varices. Voilà la maison où habite l'ouvrier qui se cassa la jambe en réparant la plaque de Danton. Voilà au coin du quai Voltaire le sentier où il fut gagné le plus de gravel à combattre le despotisme. Voilà le décimètre carré où le jour de sa mort coula le sang de Molière. Je veux dire, à part ça, on s'embête quoi, avec cette chaleur-là quand il faut travailler.
Eh ben, c'est pas marrant, parce qu'il faut bosser, 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 bosser. Parce que moi, ma femme, ça compte qu'une seule chose. Combien tu m'as amené à la fin de la semaine? Plus j'amène de pognon, plus elle m'aime bien. Alors, entre me faire engueuler par mon patron, puis me faire engueuler par ma femme, j'ai juste le trajet où je suis tranquille, mais maintenant, je le fais en voiture, maintenant. Alors, ça va, j'ai même plus la tranquillité. Quand est-ce que vous êtes libre dans tout ça? Pendant le trajet, quand il n'y a pas beaucoup de circulation. Parce que je suis toujours en train de bosser, en train de bosser, en train de bosser, en train de bosser. Et le dimanche et le lundi et le samedi. Pourquoi? Parce qu'on veut du pognon, parce que j'ai des traites, parce que j'ai le loyer, parce que j'ai tout. Toujours bosser. Parce qu'il y a des types qui gagnent avec moi, mais qu'est-ce qu'ils font quand même? À 9h, ils commencent, à 6h, ils sont partis. Mmh. Et vous? Moi, 9h à 8h le soir. Et puis, il faut le faire. Il faut le faire, rester debout, parce que vous ne pourriez peut-être pas le faire tellement longtemps. Restez debout, restez debout, restez debout. Et après 8h du soir, vous êtes libre? Après 8h du soir, je suis libre de quoi? Me faire engueuler par ma femme? Je suis libre de quoi? J'arrive, à 8h j'arrive, à 8h30 je commence à manger, à 9h, on allume la télévision, comme ça on est tranquille. On regarde chacun la télévision de son côté, comme ça on discute pas. Et si j'ai le malheur de trop remuer, ma femme me dit reste assis, bouge pas, ou éteins le poste, ou quand j'arrive le soir, qu'est-ce que je suis fatigué? Alors je dis t'as raison, t'es fatigué. Encore une chance qu'il y ait qu'une chaîne, enfin quand il y en aura deux. Quand il y aura deux quoi? Deux chaînes. Deux chaînes de télévision. Si vous voulez pas prendre la même. Eh ben j'achèterai deux postes, et je travaillerai un peu plus pour payer le deuxième. Et les vacances? Ah, les vacances, je vais en Italie, les vacances. Les vacances, je vais aller en Italie. Alors là, ce sont les libertés. Hein. Ah non, parce que moi, les vacances, moi, quand je suis tranquille, ça va pas. Il faut qu'il y ait du bruit. Le soir, je vais danser toute la nuit. La journée, je suis fatigué, je reste un peu au lit. Et la journée, je sais pas, je cherche ma femme à faire de la côte avec les gosses. Moi, je dis avec les gosses, garde les gosses. Et moi, alors là, j'ai un petit peu de liberté, mais pas à bout. Quand est-ce que vous êtes heureux? Quand est-ce que je suis heureux? Bah, quand j'ai vendu un costume. Ah. Quand j'ai du pognon dans la caisse. Quand il y a plein de pognon dans la caisse, alors là, ça va. Moi, ce qui compte, c'est le pognon. Uniquement. Vendre, c'est ça. Et que les gosses soient en bonne santé, quoi, ça j'y vois. Mm-hmm. Parce que quand les gosses sont en bonne santé, c'est même pas qu'on a la santé. Alors là, je me fais pas attention. Parce que ça compte une chose, c'est le pognon dans la caisse. Et après la caisse, si vous le mettez dans la caisse, c'est pour le sortir de quelque part. Comment? C'est pour en faire quelque chose. De quoi? Par acheter un costume. Ça laisse pas beaucoup de marge, tout ça. Bah, il faut, c'est la société moderne. Moi, c'est dans les costumes, mais les autres, c'est dans les voitures, c'est dans le cinéma, ce que je sais, moi, c'est dans notre boulot. Produisez un film, pourquoi faire pour en faire un deuxième? Mm-hmm. Vous, qu'est-ce que vous faites avec l'argent de vos films? On va faire le contraire, maintenant. Ah, ça, je vous le dirai pas. Bah alors, pourquoi vous voulez pas m'acheter des costumes, justement. Des costumes. Et vous allez au cinéma? Moi, au cinéma? Non. Bah, il n'y a pas de film. Comment il n'y a pas de film? Qu'est-ce qu'il y a comme film? Le Cléo de 5 à 7. Ça, c'est bien, je vais aller le voir. Et Marianne Bad. Marianne Bad, ah non, ça. Okay. Ça me fait trop mal, vous savez, monsieur, moi je suis qu'un primaire, je m'excuse. Et alors, qu'est-ce que vous avez dit que c'était pour les secondaires? C'est pas pour, parce que, je sais pas, il faut comprendre. Et puis moi, vous savez, quand je l'avais dit... Vous comprenez pas les choses dans la vie? Mais je comprends, mais je vais pas me chercher la tête. Pourquoi? Je vais payer mon pognon, m'asseoir pour chercher à comprendre. C'est pas grave de comprendre. Bah, m'asseoir pour chercher à me torturer les esprits, c'est pas la peine. Non, moi j'aime bien un film comme ça, où les gens bien habillés sortent des revolvers d'ici, mm-hmm. Et puis stupent, ils téléphonent. Ouais. Et j'aime bien les films historiques un petit peu. Est-ce que vous préférez qui se tue ou qui téléphone? Oh, qui se tue et qui se téléphone, moi. Pourquoi vous aimez voir les gens se tuer? Ah, pourquoi j'aime voir les gens se tuer? Parce que moi, j'aime bien voir les Superman, comme j'ai un petit complexe, comme je suis un peu petit, puis que je suis un peu gros. J'aime bien voir les balèzes comme ça qui arrivent, et puis qui cassent tout avec un coup de poing, forcément. Ça vous console de pas être con? Bah, ça me libère, quoi. Ça libère quoi? Bah, ça. Bah, je dis, tiens, j'étais comme lui, puis le soir, je pense, et bien, tu te rends compte, si c'était moi, j'aurais essayé. Ensuite, quand vous apercevez que vous n'êtes pas comme lui. Oh, moi, vous savez, moi, je ne pas, non, je suis pas complexé, moi, non. Moi, du moins que je mange bien, je dors bien, c'est tout, quoi. Je mange bien, je dors bien, je me couche de bonne heure et je mange bien. Donc, vous êtes heureux? Bah, voilà, c'est tout. Moi, vous avez dit que non, tout à l'heure. Bah, quand j'ai bien mangé, quand j'ai bien dormi, quand la caisse est pleine. Mm-hmm. Alors, voilà, pour que je sois heureux... Ça vous paraît suffisant? Voilà. Vous êtes dans la vie? Moi, il me faut comme ça. Non, d'abord, ça, on va pas faire de politique, la liberté, ça, tout ça, la liberté, l'égalité, la fraternité, ça, tout le monde le sait. Bah, pourquoi on fait pas de politique? La politique, c'est que je vive bien et que mes... Enfin, oui, si on dit qu'il faut que je sois libre et que mes enfants soient libres et que ma femme soit libre, c'est de faire de la politique. Enfin, ça, c'est déjà un autre sujet, ça, on peut en parler des mois et des mois. Mais enfin, on peut faire des choses aussi. Est-ce qu'il faut faire de la politique? De quelle politique? Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Il faut que ce soit comme maintenant, il faut que ce soit représentatif. Il faut qu'on élise des parlementaires, et les parlementaires, ils votent pour vous, puis c'est tout. Puis quand vous avez besoin qu'on vous ouvre une contravention, ben on écrit M. Le Pen ou M. je sais pas, moi, Thorez, j'ai voté pour vous, vous pouvez pas demander la contravention que j'ai eue sur le bord du trottoir. C'est un peu limité comme définition de la démocratie. Ah non, non, des parlementaires qui vous défendent, puis c'est tout, quoi. C'est pas la peine de même autre chose. Rien de plus. Rien de plus, puisque comme ça, jusqu'à maintenant, que si on n'a pas été si malheureux. Là, qu'est-ce qui m'a fait de mal à moi, De Gaulle, depuis en 58, qu'est-ce qui m'a fait? Il m'a rien fait. Pour moi, personnellement, enfin, dans mon cas où je suis, il m'a rien fait. Il n'y a pas eu un truc de mal, il n'y a pas...
pour moi personnellement. C'est-à-dire que je suis égoïste. Mais qu'est-ce que c'est si tout le monde, si 40 millions de Français étaient égoïstes ensemble, ça fait une politique. Au mois de mai 1962, la densité au centre de Paris est de 82 000 habitants au kilomètre carré. Les spécialistes ont fixé à 16 mètres carrés le seuil de houspillement, c'est-à-dire la surface nécessaire à un être humain pour vivre. D'où il appert que 2 Parisiens sur 5 se houspillent. On construit sans rigueur, on administre sans pouvoir. Le maire de Paris aurait du pain sur la planche, mais il n'y a pas de maire à Paris. Le fantôme d'Étienne Marcel fait peur. Alors Paris vit d'une vie instinctive et désordonnée. Mère de famille prolifique au grand cœur mais un peu fofolle, Paris a plus d'écoliers que d'écoles, plus de malades que d'hôpitaux, plus de peintres que d'amateurs et plus de voitures que de rues. Que l'on découpe cette multitude en visages, et voici qu'apparaît sa cellule originelle, la solitude. Depuis 2 siècles, le bonheur est une idée neuve en Europe. On ne s'y est pas encore fait. Au-delà des fins élémentaires, le travail n'achète que l'oubli du travail. Le vide, comme toujours, se peuple de légendes, légendes de l'automobile, légendes de la télévision et toutes sortes de divertissements qui sont les zombies du bonheur. Mais le bonheur est affaire de définition, avouable ou inavouable. Traquer l'inavouable n'était pas notre propos. Pour l'avouable, certains l'avouaient. Casser la croûte sur l'herbe, un pique-nique. Avec la vieille, il y a à peu près ce que ça donne, hein, son petit poste portatif, c'est heureux, voir des petits coups, ouais, voir, pas gentil, quoi. Mais si vous aviez des loisirs et des moyens, est-ce que vous auriez la télévision? Ah, ben la télévision, bien sûr. Oui. Oh, ben, ça, dans le magasin, ça, ici dans le... Ah non, pas dans le magasin, non. En particulier, au-dessus. Oui, faut ce qu'il faut, quand même, hein. Qu'est-ce que vous pensez? On est 100 ans, on va pas s'enterrer avant l'heure. Non, on a le temps, il y a un truc, on a le temps. Vous pensez que c'est un enterrement? Oui, c'est à peu près comme la chanson. La plus vieille enseigne de Paris couronne un club de twist. La rue Mouffetard, dont la couleur populaire n'avait pas varié depuis le XVIIe siècle, retrouve sa vocation patricienne. Les betteraves s'y vendent encore moins cher que sur la rive droite. Pas les tableaux. Cette ancienne voie romaine qui a tremblé de la démarche résolue des prétoriens dessine la tourne vers un avenir indéchiffrable. Elle a ses cabarets, ses galeries, son théâtre. Dans 10 ans, ces images nous dépayseront davantage qu'aujourd'hui celles de Paris 1900. Mais la métamorphose de la rue Mouffetard, c'est celle d'une moitié de Paris, la plus proche sans doute du folklore. Il n'est pas difficile d'applaudir la métamorphose d'une ville où un logement sur 20 n'a pas l'électricité, 1 sur 12 pas l'eau. À cela près que les carrosses ne savent pas toujours garder la fraîcheur des citrouilles et que la future capitale de l'Europe ferait bien d'inscrire dans son plan ce modeste trésor qu'un de nos personnages a défini d'un mot, la sympathie. Pourquoi vous l'aimez, ce quartier? Moi, je l'aime, il y a une sympathie réelle, vraiment, des gens du quartier, enfin, vraiment. Ça, c'est la mouffe, quoi. C'est la mouffe complète. C'est la mouffe complète, on ne peut pas s'en séparer de ce quartier-là. Je ne peux même pas m'en démunir, moi, pas tout l'heure du monde. Je vais être enterré dans la rue, oui. Question pour vous, par la suite, d'être... Oui, d'être démoli, oui. Expatrié, ouais. Exproprié d'abord, ouais, expatrié ensuite. Oui, ouais, bien et où sûr. Où est-ce que vous irez? Ben, comme les autres, ça sera un petit coin. Et point tranquille, et puis de la sympathie encore. Oh, si vous connaissiez mon Vosges, j'ai connu le grand amour dans des pays lointains. Le passage. Est-ce que ça sera les lieux? Là derrière. Oh, ben les lieux aussi. Il y aura tout.
quand même, oui. Faut dire ce qu'il est, quoi. On est chez soi ici. D'ailleurs, on sera des déportés, enfin. C'est qu'une menace pèse sur Paris. Du haut des tours, le Paris futur apparaît au ras des collines, là où Sainte-Geneviève vit poindre les barbares. Ce sont les barbares. Sur cette métamorphose qui devrait être le signal d'une fête de l'architecture, l'anarchie et l'âpreté veillent comme deux sorcières. Même si les névroses de la solitude à mille fenêtres, même si ce qu'on a dû baptiser la pathologie des grands ensembles n'arrive pas à nous faire regretter les taudis originels, on sait du moins qu'ici, il y avait place pour le bonheur. Et là, on ne sait pas. Actuelle, leur côté fastidieux, leur côté monotone, inhumain parfois, oui. Pénible et moche et tout ça, ça vient du fait qu'on ne pense pas du tout à ce que ça soit autre chose, que voilà, le but essentiel, ce n'est aucune de ces considérations-là, le but essentiel, c'est du fric. Et c'est pour ça que les autres techniques, une autre technique est possible, il faut repenser une autre technique, etc. Mais l'essentiel, c'est de savoir dans quel autre cadre elle peut se pratiquer, cette technique. Elle ne peut pas se pratiquer dans le cadre où un terrain coûte 150 000 francs le mètre carré. C'est pas possible, ça c'est. Quand un terrain coûte 150 000 francs le mètre carré, il faut faire des gratte-ciel. Des gratte-ciel, ça peut être très beau, on en parlait tout à l'heure, mais à Paris, ça peut aussi être très beau à Paris. Mais les multiplier comme on veut le faire, par exemple, dans le 15e, c'est particulièrement ridicule. Bon, mais sur ce terrain-là, qu'est-ce que tu ferais? Enfin, on rêve. Je commencerai d'abord par planter des arbres. Des arbres, de la viande. Non, mais attends, on te demande quand même de loger des gens. Bien sûr. Et puis ensuite... Mais de toute façon, on ne peut pas résoudre le problème sur un simple terrain. Non, parce que vraiment, enfin, voilà. Mais à partir de c'est permis d'imaginer. Des très petites choses cachées dans les arbres, comme les oiseaux, à côté des oiseaux, tu vois. Parmi la verdure, les arbres, les oiseaux. Il y en aura à rez-de-chaussée, il y en aura en étage, au niveau des arbres, en haut, à la hauteur des arbres, un peu plus haut, mais guère plus, en contact avec la nature toujours. Oui. Tu vois, il y en aura à tous les plans, à tous les accès, tous les niveaux, chacun avec son petit coin, son type de jardin différent. Oui, petits bassins d'eau, les mômes, ils seraient là-dedans comme des petits singes, comme des écureuils, tu comprends, à voler d'un arbre à un autre pour aller d'une maison à une autre. On pourrait lui faire des choses magnifiques, pleines de joie et de chants naturels, tu comprends. Tu connais pas Babar? Oui, bah c'est ça. Tu as vu Célesteville. Célesteville. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est vrai, avec mais attention, pas c'est Célesteville. C'est pas la peine d'être rigide et figé. Pas Célesteville de... Enfin, pas Célesteville de petits pavillons qui disent chacun, moi je suis le plus beau, moi je suis le plus chouette. Non, un Célesteville de gens qui sont heureux de vivre ensemble. Exactement. C'est tout à fait d'accord. Parce que finalement, absolument, tout ce que ça reflète, ce qui se fait actuellement, c'est qu'on s'emmerde à vivre oui, ensemble. Absolument. On se fait chier. Absolument. On gêne, quoi. Et en réalité, ce que ça suppose, ce que tu dis, y compris les changements dont on parlait, les autres changements que les changements d'architecture, c'est que à un certain moment, les architectes, ils se disent « Mais c'était pas temps d'être ensemble. C'est pas ennuyeux, c'est pas une lourde nécessité. » Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont heureux dans le quartier? Il y en a qui sont très heureux dans ce quartier, il y en a d'autres. On dit que c'est un quartier qui est assez... un quartier assez à commérage, quoi, enfin. Surtout dans ce coin, dans cette cité. C'est une cité très grande, il y a beaucoup de monde. Et tout le monde s'occupe des affaires des autres, enfin. Est-ce que vous croyez que les gens qui habitent dans cette cité, s'ils en avaient la possibilité, partiraient autre part? Beaucoup. Oui. Ah oui, beaucoup. Et vous-même? Moi aussi, tout de suite. Si j'avais la possibilité de partir, je partirais tout de suite. Ce qui vous retient, c'est... C'est la question logement. Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu disais? Je disais ça, c'était préhistorique. Qu'est-ce qui est préhistorique? Ben ça, les murs. Les murs?
l'actualité de Paris. Voici les 12 raisons qui font de la résidence Clotaire-Chaillot l'immeuble le plus luxueux de Paris. Premièrement, la façade de l'immeuble est en marbre blanc de Carrare. Deuxièmement, Turbo et Maserati ont décoré les fontaines des halls d'entrée qui occupent toute la surface du rez-de-chaussée. Alessandro Forlani a peint les muraux. Une musique d'ambiance très douce complétera l'agrément de ces halls. On l'entendra également dans les ascenseurs. Troisièmement, les ascenseurs sont automatiques, ultra rapides, revêtus d'acier inoxydable. Où est-ce que vous avez appris à cultiver les fleurs, à les soigner? Oh ben, c'est-à-dire, je ne sais pas tellement, je fais ça de mon idée, quoi. Ah, si, vous avez sûrement appris, parce que les pensées, c'est difficile à cultiver en pot. Oh ben, je sème dans mon jardin, puis après je les pique. Vous passez beaucoup de temps à ça? Non, pas tellement. Vous faites ça en dehors du travail? Ben, c'est-à-dire, pour l'instant, je ne travaille pas. Autrement, je fais le samedi, dimanche. Et puis le soir, je les arrose. Et quand vous faites ça, vous pensez à quoi? Ben, je trouve que c'est joli. Oui, c'est bien les fleurs. Vous êtes de la campagne? Ben, c'est-à-dire, je suis née à la campagne, oui, mais ça fait déjà longtemps que je suis arrêtée. Qu'est-ce que vous pensez des fleurs en plastique? C'est bien aussi, mais enfin, ça ne vaut pas les fleurs naturelles. Mais vous avez des fleurs en plastique? J'en ai dans mon jardin. Vous les piquez avec les fleurs naturelles pour faire croire qu'elles sont toutes vraies? C'est-à-dire, j'ai mis ça pour l'instant puisque les autres ne sont pas fleuries. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cultiver des fleurs pour l'instant? C'est une idée. Ça y est, vous êtes relogé? Oui. Venez là, venez là. Oui, je suis relogé. Ah, quelle impression ça vous a fait quand vous avez appris ça? Ah, je sais pas, une impression de pleurer. Vous avez vu à pleurer? Ah oui. Vous vous y attendiez plus? Je crois que c'était le plus beau jour qui pouvait m'arriver. Depuis combien de temps vous attendiez? Depuis 7 ans. Alors, vous aviez fait une demande à la municipalité? Oui. Et puis on attendait toujours. Et puis un beau jour, eh ben, j'ai un monsieur gentil qui s'occupait de moi. Et puis, dernièrement, mercredi, j'ai reçu une feuille comme quoi j'étais relogée. Alors, j'étais tellement contente, je crois que j'en aurais pleuré. C'est le facteur qui vous a apporté ça? Oui. Il a même attendu pour savoir la nouvelle. Ah, il a attendu que oui, vous il a attendu que je regarde la feuille pour savoir si c'était bien pour être relogée ou alors si c'était encore pour me dire d'attendre. Et quand il a su que c'était pour être relogée, il était aussi heureux que moi, je crois bien. Et c'était au courrier du matin, ça? Oui, au courrier du matin. Alors, vous avez eu toute la journée à attendre le retour de votre mari? Ah non, parce qu'il rentre à manger midi. Alors, à midi, quand il l'a su à midi, il était aussi heureux que moi. Comment ça s'est passé? Comment vous lui avez dit ça? Ben, je lui ai rien dit. La table était préparée et je lui ai mis l'enveloppe dans l'assiette. Et quand il est rentré, il a bien vu qu'il y avait une lettre dans l'assiette. Il s'est à peu près douté. Mais enfin, il n'était pas tout à fait sûr. Et quand il a lu la lettre, il était heureux, aussi heureux que moi. Et il était de bonne humeur quand il était arrivé? Oh oui, il est toujours de bonne humeur comme ça. Mais alors, ça l'empêchait de manger. Il n'a presque pas mangé de midi, lui. Bon. Alors, vous ne le connaissiez pas, ce logement? Non, non. Vous saviez qu'il y avait un logement qui vous a été attribué? On a juste, oui. Alors, vous êtes allé le visiter? Oui, hier. Hier? Oui. Hier matin. Alors, vos impressions? Oh, je ne sais pas. Quand je suis rentrée et que j'ai vu ces grandes pièces, je croyais être perdue. Je croyais que je me faisais pas une idée que c'était comme ça. Il y a combien de pièces? Il y a 3 chambres, une salle de séjour, une cuisine, une salle d'eau, les water, une entrée et des grands placards que je sais même pas comment je vais tout arranger parce qu'on est tellement peu
l'un sur l'autre. Oui, mais vous allez trouver l'emploi. Oh, oui, oui, je vais bien arriver à tout caser. Est-ce que vous pensez déjà comment vous allez installer ça ou vous allez Ah oui, oh, oui, oh, oui, on a déjà fait un peu de projet avec le mari. D'abord, depuis mercredi, on fait que parler de ça. Il n'y a pas une autre conversation, tout est sur le logement. Dans ce nouveau logement, est-ce que vous pensez que votre vie privée sera plus agréable? Ah oui, c'est bien forcé. Il va y avoir un changement de vie. Oh, c'est bien forcé, devant les enfants, on peut pas faire ce qu'on veut. Tandis que là, ils sont dans leur chambre, nous dans la nôtre, on sera tranquille. C'est le moment de le dire, on va se sentir jeune marié bientôt. Vous avez combien d'enfants? J'ai 8 enfants et une petite nièce en adoption depuis un mois. Comment ça, une nièce en adoption? Ben, nous avons perdu une belle-sœur qui a 6 enfants. Alors, dans la famille, on s'est débrouillé pour placer les enfants. Et vous aussi, vous avez pris un Oui, j'ai pris une petite fille de 9 ans. Alors, vous avez 9 enfants. J'ai 9 enfants. Et vous deux avec votre mari. Oui. Alors, comment est-ce que vous vous arrangez pour vivre dans cette pièce? Ah, ben, j'ai un lit dans la chambre, un grand lit, où je couche 4 enfants. J'ai un petit lit cage, où j'en couche 2. J'ai un tout petit lit où je couche ma toute petite. Et j'ai cette petite-là qui couche avec moi dans la salle à manger. C'est entre moi et mon mari. Enfin, dans la salle à manger. Dans la pièce qui nous sert de cuisine. Parce qu'on a fait la séparation pour dire que les enfants ne soient pas avec nous. Alors quand un enfant tombait malade? Eh ben, il restait là, mais il ne pouvait pas se reposer. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta chambre? Réponds. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est belle? Oui. Comment tu vas être? Ça va être mieux parce qu'on aura plus chaud. T'auras plus chaud, mais t'avais chaud, t'étais à 4. Tu vas mieux dormir. Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est la chambre de vous trois? Oui, des trois garçons. La chambre des trois garçons. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir la salle des filles. Allez voir les filles, là. Ah, elles sont... Voilà, c'est bien. Là, ça va être ta chambre. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est bien. T'es heureuse? T'es contente d'avoir ta chambre à toi? Oui. Oui? T'auras pu aller coucher chez ma mère? Non. Hein? Non. Tu as pu avoir sortir le soir? C'est embêtant pour vous d'aller coucher chez... Surtout quand il y a eu les Arquis, là, qui étaient tout de suite derrière chez nous, elle avait beaucoup peur, oui. Parce qu'elle n'osait pas passer devant. Oui, alors tous les soirs, il fallait la conduire. Ah, oui, elle avait vraiment peur, là. Oh, dis donc, ton chewing-gum. Non, il est sympa. Et l'école, ça reste la même école ou ça change d'école? Ah, bah, jusqu'à la fin de l'année, ça va rester la même école. Et après, vous vous approchez? Oui, après, ils vont venir ici à l'école. C'est ça, oui. Ça vous ennuie, là, de changer d'école? Non. Non? Non. Tu es un instituteur, tu es un professeur, non? J'en descends. Non, c'est une maîtresse. C'est une maîtresse. Ça t'ennuie d'acquitter, d'en avoir une autre ou tu t'en fiches? Ça te fait rien. Maman, que c'est une maîtresse. C'est une maîtresse. Faut pas monter ou si vous allez tomber, hein? Alors... Les garçons, ils nous regardent tous. Ah, bah bien sûr que t'es pas connu, là. Et regarde, tu vois, tout le monde vous regarde. Non, tu vois sur la plage. Dis donc, tu t'aurais pas mis comme ça à la fenêtre là-bas, il n'y en avait pas, hein. Non, mais tu t'en avais pas. Tu es heureuse, toi? On la voit pas. La première chose que j'ai fait, j'ai ouvert la porte et je me suis trouvée dans la cuisine. C'est ça? On la voit pas d'ici, le corps. Non, elle est pas ce côté-là, elle est de l'autre côté. Qui? C'est Cole? Oh, l'école! Allez, soyez sage, hein, puis tombez pas par là. Veux-tu? Hein? Qu'est-ce que c'est que tu dis? Regarde la statue, là-bas. Ah oui, tu vois, il y a une statue. Avec une étoile. Et puis une étoile. Oh, il y a deux vélos accrochés. Que vous attendez de la vie tous les deux? Vous voulez continuer à faire des choses? Ah oui, ça, oui. Ça me plaît toujours. Hein. J'ai pas l'intention d'abandonner, enfin on verra plus tard, mais pour l'instant c'est. D'ailleurs, jusqu'à quel point? Vous voyez finir sans agent de change tous les deux ou quoi? Quand même pas. On va aller trop loin quand même, hein, mais enfin. Vous voyez quoi? Prévu principal, chef de service. Chef de service après, si possible. Et puis, il va pas plus loin. Enfin, fond du pouvoir, si possible, et patron. Hein, si et patron. Plus, hein. Ça, c'est la limite de l'ennui. C'est la limite. Oh, pardon. Bon, pourquoi? On peut pas rester grouillot toute sa vie, premièrement. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui te plairait dans l'idée d'être patron? De gagner davantage d'argent, d'avoir plus de pouvoir, de quoi? Oui, si vous voulez.
pouvoir. Ça me plairait, quoi. Le pouvoir, c'est ça qui te plairait. Au fond, l'argent, c'est quoi, votre avis? C'est beaucoup de choses. Par exemple? Avec l'argent, on mange. Oui, ouais, c'est d'accord. Ça. Et puis quoi encore? On peut se donner pas mal de plaisir. Quel genre de plaisir? Distraction, théâtre. Yeah. Ça fait partie de la distraction, cinéma. Oui, par exemple. Pas encore. Ça fait limiter tout ça, en fait. Rien, sûrement. Est-ce que vous intéressez à autre chose qu'à votre métier et à vos distractions? Est-ce qu'il y a des choses qui comptent pour vous dans la vie? Par exemple, ce qui se passe dans le monde. Ah bah oui, quand même, ça. Parce que ça obligatoirement, ça nous intéresse. Ça dépend. Par exemple, quel genre de choses? Ce qu'on appelle les grands événements, ça a une importance? Oui. Ah oui, pour la bourse, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme grand événement important, c'est comme ça? Ces temps-ci, enfin. Il y a eu le putsch d'Alger. Le président de la Chambre syndicale. Prévenez, qu'est-ce que... Il fait drôle de parler des mômes. Quel est le problème? C'est pas les panneaux berceaux aussi, non? On leur demande pas d'escrêt, vous savez. Il n'y a pas de secret. On a interviewé des mineurs, comme ça, alors. Non, mais je vous prêtez mon... J'ai un bébé de 2 ans, vous pouvez lui demander ce qu'il pense de mes... Oui, prévenez, amenez-le. Ça me plaît de répondre, mais c'est tout. Je cherche pas plus loin. Six premiers. Alors dès maintenant, ça tourne, donc vous êtes tout à fait libre de ne pas répondre à ce que vous ne voulez pas. Est-ce que je peux vous demander combien de temps il y a que vous fréquentez ce monument? 25 ans, révolu. Révolu. Et vous vous en trouvez bien? C'est mon métier. Vous l'aimez? Oui, j'aime beaucoup. Vous l'aviez choisi au début? Je ne pensais pas, en quittant les études, entrer à la bourse, mais j'ai eu des accointances. C'est plutôt par accointance que j'y suis entré, je ne l'ai plus jamais quitté. Et vous faites quoi exactement? Attaché d'agent de change. Mmh. Est-ce que je peux vous poser une question, alors très générale, qui a trait à votre métier, mais à beaucoup d'autres choses aussi? Qu'est-ce que c'est pour vous l'argent? C'est un moyen d'existence. Quel éleveur qui a monté le plus au premier cours aujourd'hui? Coffiret. Affaire de recherche de pétrole, le jour précis où ça n'a jamais été si mal en Algérie depuis 58. Ouais. Les marchés sont entre les mains, comme je vous dis. Ouais. Mais c'est un hasard ou bien c'est justement que maintenant c'est la catastrophe? Non, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ce sont les gros investisseurs qui ont dit... C'est empirique, on ne peut pas expliquer. C'est un état d'esprit, c'est une psychose. Dans le temps, on aurait baissé 10%, aujourd'hui on est monté de 7%. Ouais. C'est grave, s'il y a des lois qui ne s'appliquent plus, alors comment s'y retrouver? Comment? Non, c'est pas une question de loi, ça. Non, de loi, monsieur dit des lois naturelles. Des lois naturelles, pas des lois... Oh, des lois législatives, c'est ça. Non, elle ne joue plus ici. Elle ne joue plus. Mais vous venez de dire une chose très importante, vous dites malheur à celui qui a du jugement. Oui, malheur à celui qui a du jugement ici, parce que s'il applique son jugement, eh bien il se ruine ici. Ah bon? Mais oui, prenez-vous. Expliquez. Monsieur vient vous dire Coffiret. Oui. Moi, je n'ai pas suivi le mouvement aujourd'hui. Il vous a dit qu'il s'était passé un événement en Algérie qui aurait dû faire baisser la valeur de 10%. Oui. Elle a monté. Ça n'allait pas très bien. Elle a monté. Au début. Bon, monsieur, hier, aurait dit, je suis sûr que ça va très mal en Algérie. J'ai une nouvelle aujourd'hui. On m'a dit, j'ai une nouvelle, la préfecture d'Alger, n'importe quoi, ça va très mal cette nuit, il va se passer des choses épouvantables. Il aurait vendu du Coffiret hier. Aujourd'hui, il avait raison. Il avait raison sur le fait. Oui. Et il avait tort sur... Est-ce que je peux me permettre une question très personnelle à ce sujet-là? Disons, quand vous apprenez une très mauvaise nouvelle d'Alger, est-ce que votre première réaction est en fonction de la bourse ou en fonction de... Ah non, elle est nationale, votre première réaction. Ceux de notre génération, je ne sais pas. Je parle bien sûr de ma génération. Moi, j'en ai vu contraire. Monsieur et moi, j'en suis sûr. Non, moi, j'en ai vu contraire. Moi, j'en ai vu contraire. Je vous donne un exemple frappant. Le 6 février, par exemple, tout le monde est sorti ici. On a chanté la Marseillaise parce qu'on a vu l'agence Fournier d'Aladier démissionne. Bon, tout le monde s'est mis à acheter des rentes. Bon, 3 mois après, les radicaux qui étaient au pouvoir ne voulaient pas du gouvernement. Tous les acheteurs de rentes ont trinqué. Autant qu'ils ont pu, jusqu'au moment où cette Flandin radical, modéré, mais radical quand même, qui est revenu au pouvoir. Conclusion, je dis toujours, vous idées nationales, sur le psychose, votre cœur, etc., essuyez-vous les pieds avant l'entrée. Les mêmes faits politiques ou économiques. Peuvent avoir un effet contraire à des dates diverses.
le même fait peut jouer dans un sens aujourd'hui, dans 3 ans, le même fait se produira, il pourra jouer dans l'autre sens. Exemple frappant d'actualité. Vous avez une valeur qui s'appelle les chemins de fer du Nord, investissement. Elle valait 42 francs. Tout le monde vous dit qu'elle vaut entre 70 et 80 d'après ce qu'ils ont en portefeuille. Ça ne montait jamais. Monsieur Pompidou, il y a de au pouvoir, ça vaut 53. Ah oui, parce que c'est l'affaire Rothschild. Ben, il n'y a rien de changé sur l'affaire. Il n'y a rien de changé. Les gens ont dit, ah bon, très bien, le clan Rothschild a acheté pour soutenir son candidat. Ça tombe dans le sens, c'est automatiquement. Ils ont dit, allô, allô, société d'investissement, en avant, marche. Et tout le monde a marché. Le besoin ne sera pas dévalué. Et, d'après lui, le péronisme de maintenant n'a rien à voir avec l'époque du péronisme il y a 10 ans. Rien. Les péronistes vont aider au contraire les péronistes. 85, 285. Les chauffes à 285 de pétrole. C'est pas moins 440, j'ai 3 470. Qu'est-ce qu'il met des opos, hein, Charles? Ça va être plus. Électrique, je prends 45, Franck. Je prends 45, un général électrique, Franck. Qui jouent en bourse et gueulent comme des serins. D'autres font fortune en escroquant leur prochain. Moi, de tout cela, croyez-moi, je m'en fous. Car je suis heureux, hein. Eh bien, quand je suis sans le sou. Oui. Il y a des gens qui se font un brave mauvais sang, hein, si ça leur arrive de se trouver sans argent. Moi, bien au contraire, je m'en fous royalement. Et voilà pourquoi, je vous le dis gaiement. Je vous le dis pas en chantant, mais je ne sais pas chanter. Je chante pas partout le marché. Oui. Quand je suis fauché, je me sens léger. Il me semble avoir des ailes. Quand je suis fauché, je me sens léger, je suis agile comme une gazelle. Quand je suis fauché, c'est peut-être idiot, joyeux comme un poisson dans l'eau. Quand je suis fauché, bien ma foi, je suis bien plus heureux qu'un roi. À la fois, non. Et tu te troviamo qui con gli amici che non abbiamo. Vous me direz quand il faudra dire quelques mots, alors. È vero, Muriel. Vous étiez, il y a pas Monsieur Ciutta, envoyé du prince Murat, va remettre les colombes à la muse des poètes 1962. À la grille de mes yeux qui songe, envolez-vous, porteuse de messages, me reviendrez, me montrerez main blanche. Bravo. Très bien. C'est des miracles des hommes. C'était le moment de la photo. Non, ben, ça n'a pas été trop loin. Mon but, pourquoi tu veux t'en aller? Je ne suis pas gentille avec toi, est-ce que je ne suis pas gentille avec toi? Regarde, vilain. Qui n'est pas beau. Cette dame a raison, la colombe n'est pas belle. En outre, c'est un animal cruel et malpropre. La chouette, elle, est belle, aimable et profonde. Sans doute était-ce une erreur d'aller chercher la beauté chez la colombe et la poésie chez les poètes.
quand il existe des chouettes, des peintres, des cosmonautes, des inventeurs, des amoureux et Pierrot le taxi. Car l'amateur. Depuis combien de temps vous faites ça? Un an, à peu près. Depuis un an? Oui, un an, quand j'en fais, quand j'ai envie de faire un peu de peinture, j'en fais. Des fois, je reste 15 jours, un mois sans faire, puis après, j'en fais un. Vous avez mis combien de temps pour faire ça? Ça, il y a moins de 20 heures d'heure de travail dessus. Pour arriver à trouver les couleurs. Et là, c'est dur. Plusieurs fois. Pas la suite. Des fois, je travaille 2 heures par jour, des fois 3 heures, des fois je vais travailler 5 heures, des fois je travaille pas, vous savez, comme ça me prend. Pour vous, c'est un repos? C'est un repos, c'est un amusement. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez voulu rendre exactement? Eh bien là, j'ai voulu représenter le Christ. Oui. Et alors, vous voyez, avec les anges au-dessus, et les... Comment ils appellent ça en Espagne, là? Ils appellent ça les curés, là. Vous savez, les moines, là, avec leur chapeau, là, vous voyez? Oui, les processions. Les moines, et puis les anges, là-haut, vous voyez? Les bonnes sœurs. Et ici, c'est l'homme qui est mort au pied de la croix. Est-ce que vous êtes inspiré de certains peintres, ou est-ce que vous êtes... Non, je veux pas faire comme les autres, je veux faire toujours d'après mon idée. J'aime pas copier. Et ne pas faire comme les autres, c'est quoi? Eh bien, ne pas toujours faire toujours la même peinture comme les autres font. Vous voyez? Il faut trouver du chose de nouveau. Faut pas copier sur les autres, faut trouver toujours quelque chose de nouveau pour pas s'espoir comme les autres. Pour donner à peu près une valeur. C'est quand même un peu inspiré de l'art moderne, hein? Ah, c'est de l'art moderne, oui, ça. Oui. Mais c'est de ce genre-là, j'en ai pas vu, pourtant je fréquente beaucoup de quartiers, j'en ai pas vu encore de ce genre. Faut croire que ça va aller, là, vous voyez. Il y a une dizaine de tableaux de fait, déjà. C'est une huile? Ah, c'est peinture à l'huile, oui. Sur toile? Sur toile, huile sur toile. Et alors, ce qui est le plus dur, c'est arriver à trouver les couleurs, le plus difficile. Vous avez un système pour trouver les couleurs? Eh bien, je cherche ça, je vois, j'étudie, puis après, je pose la couleur. Parce que c'est très difficile pour arriver à trouver les couleurs claires comme ça. Et ça dessine d'abord, ou tu fais d'abord la... Ah non, je dessine d'abord, et puis après, je fais les couleurs. Et c'est très difficile à le faire, parce qu'une fois qu'une couleur est mise, pour l'enlever, après, c'est plus... Il faut que ça arrive à se marier, surtout... sur l'ensemble. Alors je crois que je vais arriver à faire quelque chose à peu près en m'amusant comme ça. Vous exposer? Oui, exposer peut-être à la fin de l'année. Comme ça? Bon, je sais pas, je vais avec une galerie, là, une galerie dans le quartier. Quelles sont les réactions, de manière générale, quand vous faites ça? Eh ben, ça plaît beaucoup, par rapport aux couleurs et puis à l'ensemble. Et est-ce que les gens qui les voient disent pourquoi ça leur plaît? Oui, parce qu'ils trouvent ça gay. Ça dure combien de temps? Un mois. Ça, c'est le Christ et les anges. Et ça, c'est un essai fait sur une... C'est un essai fait sur... sur une... comment je dirais, sur un panneau de réclame de pneus. Et alors, ce panneau a été découpé et embouti, vous voyez, derrière. Embouti au marteau, et puis alors, les frères ont été reproduites en peinture, et ça représente l'homme du cosmos. Pourquoi? Parce que le sujet s'est présenté comme ça, vous voyez, alors je l'ai prononcé les couleurs pour arriver à donner le caractère de l'homme du cosmos, d'après les emboutis qu'il y a eu de fait derrière. Pour vous, quels sont les caractères de l'homme du cosmos? Eh bien, l'homme avec ses appareils sur la tête, ses branchements de fil et puis tout. Excuse me.
Non, c'était comme ça, c'était un peu plastique. C'est un peu plus. Et alors pendant le voyage, ça. Tu lis des histoires sur tout ça en dehors de tes visites? Oui, les planètes, les étoiles, les histoires des fusées aussi. Des fusées, ça t'intéresse? Oui, oui, des fusées. Qu'est-ce que tu penses de Van Leeuwen? Donc c'est bien ce qu'il a fait. Oui, parce que c'est difficile de faire ce qu'il a fait. Et d'aller dans une fusée sans avoir peur, ni... Tu crois qu'il n'a pas eu peur? Peut-être que si, mais pas trop. Le vrai inventeur qui fait une idée, c'est terrible. Je ne parle pas de la suggestion. Le vrai inventeur, le cerveau travaille malgré lui, en dormant. En dormant? Dites-moi pourquoi vous l'avez appelé le destin. Je l'ai appelé destin parce que, vraiment, avec tout ce que j'ai eu, j'ai... La première fois que j'ai eu un accident vraiment grave, et je me suis rendu compte que sortir en position aussi mauvaise, que vraiment, c'est un coup de chance. Mmh. Alors, de Malakoff, qui s'appelait parce que c'était mon lieu où je restais, je l'ai appelé destin parce que vraiment, c'est mon destin de remonter. Mmh. Et ça a été toute ma vie. Alors, c'est mon destin. Vous avez beaucoup remonté dans la vie? Comment? Dans la vie, vous avez toujours plongé et remonté? Ben, j'ai souvent des coups durs. Oui. Et à chaque coup, je m'en suis tiré, un extrémiste, qu'on appelle, vous savez, on sent quand même qu'il y a une chance qui est là. Alors, vous savez que je dis toujours, ben, c'est le destin. Qu'est-ce que vous avez eu d'autre, comme, à part cet accident? Vous avez vu que c'était le destin? Oui, j'ai eu une fois des pannes, encore un extrémiste, je m'en suis retiré. Une fois, j'ai claqué une bougie, en plein milieu de la Seine. Mm-hmm. Il y a la pile était pas loin, j'ai mes essais personnels. Je me dis, ça y est, si le moteur repart pas, c'est la panne. Je fous 3-4 coups de démarreur, 4-5 coups de démarreur, je vois la pile qui arrive, là, ça y est, je vais m'écraser. J'appuie un coup de démarreur, encore un coup, vous savez, j'appuie, comme dire, au nom du père, quoi. J'appuie, brum, au quart de tour. La chance, le destin. La chance joue un grand rôle, je crois, dans la vie. Mais la meilleure chance, ce sont les deux mains. C'est le meilleur capital qui puisse exister. Et ça, le capital, ce sont les mains. Et à l'heure actuelle, je connais une dame qui est très très bien et qui m'a dit, mon petit, le meilleur capital, ce sont tes deux mains. T'as beau avoir l'argent en banque, une fois qu'elle s'en va, si tu ne travailles pas pour tenir ton compte en banque, va s'écrouler. Alors en fin de compte, il y a la question de la chance et il y a aussi la question de la volonté. Quand un homme veut vraiment arriver, je crois qu'il arrive. Et la chance, à ce moment-là, l'aide. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Qui peuvent on la fabrique, la chance. Ben, on ne la fabrique pas. On l'aide. On l'aide. On lui donne son petit coup de pouce. Elle vous donne le reste. Ah. Mais enfin, la chance, ce sont les mains et la volonté d'arriver. Ça, c'est comme pour gagner une guerre. T'as la volonté d'arriver, toi? Ah ben, je pense avoir la volonté d'arriver. D'arriver à quoi? Ben, je veux arriver, c'est-à-dire, voilà. Premièrement, j'ai voulu prouver à moi-même que j'étais capable de quelque chose. Et puis, je voulais aussi... que mon nom soit connu. Ah. C'est un petit point qui m'était resté. Pourquoi? Ben, c'est-à-dire, c'est une question de famille. Et j'ai dit, bon, ben, je vais prouver que mon nom peut être connu dans le monde entier. On m'a toujours pris en feu. Enfin, en principe, les inventeurs sont toujours un peu des dingues. On les prend toujours pour des fous. Ils ont une araignée dans le plafond. Exactement. Ouais. Mais sans aucune espèce d'importance, parce que nous, on s'en fiche royalement. Ce qui compte, c'est le résultat. Ouais. C'est ce qu'on arrive à faire et dire, voilà, messieurs, vous, avec tout votre grand flafla, avec tous vos moyens, mais nous, avec nos petits moyens et notre petite misère, parce qu'on dit, on peut dire un peu la grande misère avec les grands moyens, mais nous sommes arrivés au résultat. La preuve en est là. Tranquillement la piste, on ne risque absolument rien. Bien sûr, nous sommes sur la piste de l'autoroute. Avec le stabilisateur. Quand tu dis nous, tu penses...
penses à tous les inventeurs. Bien sûr, je ne suis pas le seul. Ou tu penses surtout à toi? Oh non, je pense aussi aux autres, parce qu'il ne faut pas oublier, je connais pas mal d'inventeurs qui sont privés. Il y en a qui sont aidés. Il y en a qui sont aidés surtout moralement par leurs femmes. Alors ceux-là, ils y tiennent beaucoup mieux le choc que les autres qui ne sont pas aidés du tout, qui sont seuls. Alors pour être inventeur, on n'en est pas moins un, c'est ça? Ah, ça, je crois d'ailleurs, c'est ce qu'il faut d'ailleurs. En principe, regardez tous les grands hommes d'État, sans exception, ils ont toujours leur bonne femme derrière. C'est incontestable, on l'a prouvé d'ailleurs. À l'heure actuelle, parlons de Churchill, mais Churchill, lorsqu'il faisait un discours, il y avait quand même sa femme qui était à côté. Tous les grands bonhommes, en principe, sont toujours secondés. Ils ont toujours... Il n'y a rien à faire, il nous faut la deuxième roue. Staline, tu crois qu'il était très secondé de ce point-là? Ben, Staline, c'est un peu spécial. Mais sur ce côté-là, on n'en sait pas beaucoup. On ne peut pas savoir. Tu penses qu'il avait une égérie quelque part? Une quoi? Oui, avoir le plaisir de préparer son intérieur. Hein. Je pense que maintenant, beaucoup de jeunes comme nous pensent au logement, améliorer son intérieur, même la voiture, se permettre de sortir et puis d'aller passer quelques promenades en vacances, en camping même. Vous aimez le camping? J'adore le camping, moi. Vous aussi, mademoiselle? Oui. Elle en a fait moins que moi, mais enfin, certainement qu'elle aimera ça. Et les autres? Quels autres? Tous les autres. Oh, mais je pense qu'ils sont comme nous. Oh non. Non? Pourquoi? Parce qu'ils sont... Pourquoi tu ne les compares pas à nous? Oh, ben il y en a pas beaucoup. Je trouve pas qu'il y en a tellement, moi. Précisez. Quelle est la différence, ils s'aiment moins? Non, mais pas pareil. C'est-à-dire? Tu veux dire par là que ben nous, ça a toujours été très sérieux, quoi. Depuis 6 ans. Oui. Quel âge vous avez? Moi, j'ai 21 ans tous les deux. Moi, 21 demain. 21 ans demain. Et depuis, nous avions donc 15 ans que nous sommes connus et on a toujours été très fidèles l'un à l'autre. Des camarades, la camaraderie, quoi. Oui, évidemment, 15 ans. Enfin, on ne s'est pas tellement vus. On ne se voyait pas souvent, mais on espérait toujours. Vous étiez voisins? Oh non. Pas du tout, justement. Alors, comment nous étions pas favorisés. On s'était connus à un mariage. Souriez. Thank you.
fois que vous serez marié, que vous aurez des enfants, qu'est-ce que vous attendrez de la vie pour eux? Pour eux, on tâchera de leur faire la plus belle possible. Évidemment, alors laquelle, on ne sait pas, tout ça dépend de, des enfants que l'on aura, hein, quel sera leur désir et quel... Mais enfin, ça m'étonnera qu'ils soient comme nous. Ça dépend du monde où vous vivez. Est-ce que vous pensez qu'il y a des nuages sur tout ça? À part pour les maladies. Oui, évidemment. Autrement, ça, non, mais je ne vois pas. Je ne vois rien. Des événements historiques. Oh, alors là, ça, je veux même pas y penser à tout ça, parce que s'il fallait penser à ça, ben, alors. De toute façon, évidemment. Tout ça, c'est en dehors de. Non, ça, je veux pas penser à tout ça, évidemment. On n'y peut rien à tout ça, alors. Ça, vous n'y pouvez rien. Non, alors, ça, on ne veut pas compter. Servira à rien de s'en faire pour ça. Là même, là, je suis à la veille de partir en AFN. Là, je vais partir dans 8-10 jours maintenant, une dizaine de jours. Eh bien, justement, je sais que tout ça, ça se passe comme ça. J'attache pas d'importance à ça. Je vais aller là-bas. Enfin, j'espère, j'ose même pas penser à quoi que ce soit. Vous savez, je n'y pense pas. Je veux pas y penser. Quoi. Ça ne posera pas d'autres problèmes que le problème de votre bonheur personnel. Non, non, non. Non. Oh, ça, je veux pas penser à tous les événements historiques et tout ça, tout ce qui peut se passer, ça, c'est... Est-ce que vous sentez solidaire des autres, justement, ceux qui ne sont pas aussi heureux que vous? Non. Oh. Non. Ils existent pas beaucoup. Si. Si. Mais enfin... Je sais pas si tout le monde faisait comme nous. Je crois que ce serait... Ce serait bien. Autrement, on s'entend quand même bien avec tout le monde. Oui. Ah oui, bah ça... Oui, mais enfin... Moi, je trouve pas redire à ce qu'ils fassent comme ça leur plaît. Mais vous avez... Mais moi, je... Oui. Non, c'est pas... Oui. Quand vous aurez des enfants, tout ça changera peut-être un peu. Ah ben, peut-être que... Avec l'âge... Oui, c'est possible. Comment est-ce que vous envisagez l'âge mûr et la vieillesse? C'est que vous pourrez conserver une forme de votre bonheur qui changera. Moi, j'espère bien. Vous y pensez quelquefois? Moi, je sais pas, mais je crois que on est heureux et puis que certains disent après quelques années de mariage, on arrive à. Je crois au bonheur éternel. C'était tous les jours fête, il était né coiffé de muguet. Sur son cœur il portait la rosette, la légion du bonheur, joli mai. Sur son cœur il portait la rosette, la légion du bonheur, joli mai. On l'a gardé le temps de le croire, il est parti pendant qu'on dormait, emportant la clé de notre histoire. Joli mai ne reviendra jamais, emportant la clé de notre histoire. Joli mai ne reviendra jamais. Joli mai, notre amour était brève, l'été vient qui mûrit le regret. Le soleil met du plomb dans les rêves, sur la lune on affiche complet. Le soleil met du plomb dans les rêves, sur la lune on affiche complet. Joli mai, tu as laissé tes songes dans Paris pour les enraciner. Ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année. Ton foulard sur les yeux des mensonges et ton rouge dans la gorge de l'année.
au tome 6 de ses aventures, Fantômas a pour quartier général le cimetière de Montmartre. Au mois de mai 1962, Fantômas sembla bouger de son repère et allonger sur Paris son ombre immense. Certains signes ne trompent pas. L'honorable maison Gastine-Renette, pour la première fois depuis Louis-Philippe, modernisa ses cibles. Arme de la poche, immédiatement vous tirez. En quelque sorte, vous devez tenir une pierre à la hauteur comme ceci. Vous devez avoir tiré avant que la pierre ait touché le sol. Ça représente peut-être 2 secondes. Alors, c'est ça l'intéressant parce que c'est utilisé surtout dans les gangsters, n'est-ce pas ? Faut que le policier tire le premier. Mais c'est les policiers ou les gangsters qui viennent s'entendre ? Je dirais les policiers. Depuis quand vous avez cette cible ? Eh bien, ça fait 1 an à peu près. En effet, depuis 1 an, la langue française s'était enrichie du verbe plastiquer, tandis que le mot allemand putsch retrouvait une certaine fortune. Ces intéressants problèmes linguistiques en recouvraient d'autres, plus obscurs, sur lesquels les murs, au moins, prenaient position. Le 8 février 1962, les Parisiens avaient été appelés à manifester contre un ennemi dont chacun s'accordait à dénoncer la malfaisance. Les heurts avec le service d'ordre furent cependant d'une violence inaccoutumée. Les chocs les plus durs eurent lieu boulevard Voltaire et boulevard Beaumarchais. Après les premières charges, la plupart des manifestants se replièrent dans les rues transversales, tandis qu'à la station Charonne, d'autres tentaient de se réfugier dans le métro. Le 13 février, plus de 500 000 Parisiens assistèrent aux funérailles des 8 morts. Pour la première fois, on put entendre à midi un oiseau chanter place de la République. Ainsi, au début de 1962, Fantômas fit sa rentrée et la France put se croire au bord de la guerre civile. Bon, alors voilà. Le dernier jour du mois de mai. Voilà, c'était un film. Est-ce que pour vous, le mois de mai, ça a été un mois important? Voilà. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le mois de mai? Ouais, c'était le mai.
que j'ai pas travaillé. Mécène, que j'ai pas travaillé de tout. Elle n'a pas travaillé du tout. Et que c'est la misère. Il y a le préfecteur, il est tombé sur moi. Ça tient, ça, que j'ai pas travaillé au mois de mai. À cause de le temps. C'est mal parti. Parce que c'est les bombes atomiques qui font ce froid-là. Qui nous amènent ce froid-là. Les bombes atomiques qui nous amènent ce froid-là. Bien sûr. Dans le mois de mai, c'est ce que vous avez retenu. Oui, oui. Pas d'autres événements? Non. Non. Et vous, monsieur? En dehors des bombes atomiques qui nous amènent le froid, est-ce qu'il y a eu d'autres événements dans le mois de mai? Non, ça se passe à peu près tout normalement. Tout normalement? Ça vous choque pas, vous, monsieur, de penser qu'en plastique... Ah si, naturellement, c'est pas marrant, c'est complètement ridicule, mais enfin, si vous voulez... Ils font ça parce qu'ils veulent punir quelqu'un qui leur a fait quelque chose. Parce qu'ils ont besoin d'argent, c'est pour ça. C'est pour l'argent que ça marche. L'OS, c'est pour l'argent. Mais ils en avaient, ils en ont de l'argent, tous ces gars-là qui viennent d'Algérie. Ils en les pieds noirs, ils en ont, les pieds noirs de l'argent. Et bien alors, ils ont se battent pas pour de l'argent. Maintenant, ils... Alors pourquoi qu'ils se battent alors? C'est pour la gloire. Hein? Pour garder l'Algérie française. Et c'est fini, ça. Mais non, l'Algérie a son propre compte. C'est fini, est-ce que... Est-ce que ça sert? Maintenant, hein, nous, on n'y peut rien. C'est pas nous qui allons faire ça. Est-ce que vous estimez que nous sommes en démocratie? Démocratie, alors que je... Démocratie. Ça deviendrait plutôt... On deviendrait plutôt en démocratie. Alors actuellement, on est en quoi? En République, je suppose. Mais, aussi. Bon, alors... Ouais. En démocratie, je sais pas, on deviendrait peut-être démocratique, peut-être. Vous avez l'impression qu'on en prend le chemin? Ça, c'est les messieurs de la haute qu'il faut dire ça, c'est pas à nous, qui, si vous voulez. Mais monsieur, il nous interroge sur ces questions-là, il faut répondre oui ou non. Eh ben, mais j'y réponds, mais qu'ils me disent ça à moi, j'y peux rien. Mais il faudrait qu'ils disent à un monsieur qui puisse faire quelque chose. Qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie? Moi, me marier, avoir un enfant, puis être heureux, avoir un logement. Vous voyez qu'il sera heureux s'il est dans les mêmes conditions que nous sommes actuellement? Ben, s'il ne s'intéresse pas à toutes ces questions politiques, oui, il sera heureux. On peut être heureux sous une dictature? Oui, tout à fait. Vous pourrez vivre. Vous parlez de quoi? Une dictature, c'est très vivable, après tout. Si c'est une dictature intelligente. Si ce n'est pas une dictature intelligente. Elle se perd elle-même, alors c'est pas la peine de se fatiguer. Elles se sont perdues dans des curieuses conditions quand même. Il a toujours fallu une petite guerre, non? Mais dans un désastre, oui, ça. Oui. Mais un désastre dans lequel, auquel vous participez en tant que victime. Vous envisagez une dictature en acceptant l'idée d'en être victime? Bon, à l'heure actuelle, on n'est plus victime. Elle n'envisage pas l'idée d'être victime, c'est ça. Sur le plan humain, écoutez, uniquement humain, moi je trouve les régimes se valent, après tout. Pas de régime mieux ou moins bien. Il n'y en a peut-être pas de mieux, mais il y en a de moins bien. C'est une canalisation de la pensée d'un certain sens. Toute la presse sera censurée, ou le cinéma sera censuré, etc. etc. Ça devient une dictature. Bon, et quand ça va arriver, hein? Bon, il ne va pas arriver, forcément. Il serait déjà arrivé. Vous êtes bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Oh, les femmes n'ont pas de sens civique, vous savez. Ils ne devraient pas en avoir, en tout cas. Ils ne devraient pas en avoir? Non. Pourquoi? Bon, ça ne regarde pas. Les femmes qui font la politique, les femmes qui votent, c'est ridicule. C'est une conception des hommes, monsieur. Mais écoutez-les, enfin, écoutez pourquoi elles sont pour un tel et pas pour un autre. Parce que vous savez, dans un atelier de femmes... Si un tel est beau, oui, mais c'est surtout ça. La femme regarde ça, mais c'est vrai, vous riez, mais c'est vrai. Oui, ils sont pas très gâtés, enfin, vous n'êtes c'est pas vrai. Très gâtés. Non, mais c'est vrai, la femme, elle regarde pas uniquement la politique, savoir si telle ou telle personne est capable de bien diriger. La femme, elle a, je sais pas, je peux pas vous dire, moi, c'est un petit peu la beauté de l'homme ou... Vous pensez que De Gaulle a été élu pour sa beauté? Oh, ben lui, c'est pas la même chose. Lui... Mais question politique d'une femme, pour créer un homme politique, pour mettre une femme à une chambre ou une assemblée politique, moi, j'y vois pas beaucoup, parce que je vous dis, beaucoup jurent sur la camaraderie, jurent sur les opinions de son mari, parce qu'on n'est pas cachotiers l'un à l'autre, vous savez ce que c'est, il y a quand même l'intimité, il y a bien des choses. Et je dis que beaucoup, alors, Madame Intel est camarade avec Madame Intel, qu'est-ce que vous en pensez dimanche de Gaulle? Vous en pensez Torres? Vous en pensez... Le regretter Laurent Blum, Pierre Laval peut-être le regretter. Et tout ça, ça fait trois opinions, donc deux camarades. Deux camarades, ça fait cinq camarades.
qui ont la même opinion, ils vont voter, ils prennent le bulletin, eux, mettent ça dans l'urne, sans aucune idée politique, sans aucun changement, sans savoir ce qui va se passer derrière. Vous aimeriez savoir davantage? Oui, je pense qu'il serait nécessaire que le peuple sache davantage, qu'on lui cache beaucoup moins de choses. Qu'est-ce que vous lisez dans les journaux? Qu'est-ce que je lis dans les journaux? Ça dépend du journal. Les aventures de Tintin. Oui. Qu'est-ce que vous lisez comme journaux? J'ai pas tellement de journaux fixes, en fait. Je lis François pour les potins, L'Express, que je trouve qui est très bien fait, et puis... Tour de France. Mes nobles lectures. Et qu'est-ce que vous lisez dans ces journaux? Vous lisez les potins dans François et dans les autres journaux. Sur Dossi Généraux, cette semaine, qu'est-ce qui vous a frappé dans les journaux que vous avez lus? Cette semaine, mais évidemment, c'est le procès de Salan. C'était dans tous les journaux, il n'y avait que ça. Enfin, il n'y avait rien d'autre. Vous vous sentiez concerné personnellement par ce qui s'est passé? Non. Du tout. J'ai parlé avec. Bougez pas, monsieur, pardon. Laissez rentrer, ce monsieur. Non, enfin, je sais pas. Sur la voie publique, ici, c'est pas la voie publique. Hein. Ah, oui, mais. Alors, comment juste instruction. Alors, je suis juste instruction et je mets à mon bureau. Ça va, non? Est-ce que vous intéressez au grand événement qui se passe sous ces lieux? Oui, comme tout le monde. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'en pense que puisque on a condamné à mort, on condamne à mort nos généraux, on devrait les exécuter, mais on devrait exécuter aussi les Algériens qui ont tué nos compatriotes. Vous exécutez tout le monde, ensemble, d'après vous? Ou alors personne. Si on est missilaire, il faudrait amnistier tout le monde. C'est une position extrême. Moi, je suis venu ici pour sympathiser avec petit pied dans le box. Oui. J'étais parachutiste pendant 8 ans. Alors, on a assez assassiné de gens en Algérie, de l'autre bord, par le FLN. Oui. Alors, aujourd'hui, c'est notre place d'être un peu tous dans la douleur avec lui. D'ailleurs, Ponce Pilate est parti en Auvergne. Vous ne pensez pas qu'on peut mettre une fin à tout ça? Il y avait une fin? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu que vous parliez du fascisme, mais je pense que les gardes et autres choses, ce n'étaient pas des fascistes. C'est peut-être des communistes, mais ils sont nationaux. Aussi. On ne parle trop pas ici, hein. Alors, laissez tomber. Avec la gendarmerie, même, circulez. Si on est bien, on aurait pu les autres. Alors, c'est ça, si la mystillée, je vois être simplement. Vas-y, allons. Charles. Mais tu es complètement sérieux, mon vieux. Viens ici, ou... On aussitôt après ça, la Marseillaise a éclaté, ce qui fait qu'on n'a pas eu la suite. Mais la suite, vous savez, ça consistait à lui retirer la Grand Croix de la Légion d'honneur. Alors comment on la lui rendra bientôt? Ça fait rien, tandis que la vie, on la lui aurait pas rendue. Merci. Voilà Boutard, dites, voilà Boutard Manoff. Au début de l'expérience, vous pensiez à autre chose, des amis, des choses, enfin, vous aviez des idées qui se baladaient? Il y avait deux choses qui me préoccupaient. C'était de pouvoir démontrer aux gens, malgré qu'on m'ait fermé au départ toutes les portes,
en disant que ce n'était pas bon ce que je faisais parce que je n'avais pas de nom, de démontrer donc que la danse, l'expression de la danse que je voulais donner était valable, et en plus, comme c'était des étrangers qui avaient les titres, de pouvoir apporter modestement un petit titre à la France. Donc c'est pour individualisme et patriotisme. Également, oui. Au départ. Mais vous ne pensez pas qu'à la performance, même pendant toutes ces heures, vous avez de penser à autre chose. Non, pour moi, vous voyez, je me suis axé pour l'instant. On ne peut pas se partager sur beaucoup d'opinions. Alors je me suis axé uniquement sur le twist. Comme un savant se penche sur un microbe, moi je me suis penché sur le microbe du twist. Qu'est-ce que c'est la danse pour vous? Comment est-ce que vous expliqueriez ce que c'est comme besoin humain? La danse pour moi, c'est un remplacement à un sentiment refoulé. Oui. C'est un sentiment d'amitié, mettons, soit familial ou d'autres ordres de grandeur. Et on réussit tôt ou tard à trouver dans cette musique une transformation de l'être. C'est-à-dire, il arrive à un stade où on ne se sent même plus. Comme hier soir, par exemple, je suis complètement en l'air. Moi, je ne vois plus rien. Je danse, je ne sais même plus où j'en suis. Et je traduis la musique. On ne pense plus à rien. On sent comme un apaisement du corps complet. Mmh. Et ça décharge toute la nervosité que l'on peut avoir. Mmh. Ça remplace une femme. Je gagne 46 000 francs par mois. J'ai 8 000 francs de chambre à payer par mois. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça, hein? 8 000 francs de chambre à payer tous les mois, je gagne 46 000 francs par mois. Hein? Et si tout le monde y faisait grève d'un coup, ben ça ne durerait pas longtemps parce que le gouvernement serait obligé d'accoucher. On peut vous demander combien vous gagnez? Bah oui. Mmh. Je passe à la paye avec tout compris, sans avec les primes, sans prime rien, 42 000. Évidemment. Je fais une deuxième journée. C'est une deuxième journée? Oui, monsieur. Pour pouvoir vous en tirer? Ah oui. Ça vous fait combien d'heures de travail? Ben,
Je fais 8 heures, je fais 7 heures ici et 8 heures pour notre travail. Vous savez, les cheminots, ils sont lésés. Oui. Hein, des salaires de famine. Oui, j'arrive. Vous avez eu votre grève, vous n'avez pas eu entièrement satisfaction. Ah non, aucunement. Vous allez en mettre 5 ? Quand il le faudra, tout de suite, on est prêt à mettre 5 à terre. Aujourd'hui, c'est la grève de l'électricité. Ah oui. Vous êtes solidaire avec la compagnie de l'électricité. Évidemment. Comment vous voyez l'avenir ? Oh, oh, pas joli, pas joli, pas joli. Parce que, vous savez, moi je me demande comment ça va se terminer. Parce qu'avec les guignols qu'on a là-haut, hein, c'est ma confiance. Oui, je m'en vais, je m'excuse, je leur dis que je vais en train. Moi, j'ai pas l'opinion. C'est rien ? Non, absolument rien. Ça vous aime avec l'âge, avec la sagesse ? Ouais, non, je crois, oui, plutôt. Quand vous avez 20 ans, vous avez des opinions ? Oui. Je ne sais pas, je ne saurais pas quoi vous dire, parce que vous savez, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Vous avez l'air un peu dégoûté de ce qui se passe. Si, je suis dégoûté. Ah oui. Ah, mon pauvre ami. Ah ben, c'est une opinion. C'est une opinion, oui. Vous pouvez dire que je suis dégoûté, si vous voulez le savoir. Et je ne suis pas le seul, certainement pas. Parce que moi, j'ai tiré qu'à 30 mètres pour voir ce que je vois, hein, mon pote. Alors, le mois de mai, pour nous en France, ça ne s'est pas traduit par un certain nombre d'événements. Non, ça c'est pas avantageux toujours. Ça c'est pas avantageux, mais est-ce qu'il y a eu des événements ? Qu'est-ce qu'on en retient ? Je m'en souviens pas, moi je peux pas imaginer tout ce qui s'est passé. C'est ça qui est intéressant, là, ce dont on se souvient maintenant. En fait, principaux, moi je m'en souviens de rien. Oui, ce qui frappe l'opinion, c'est. Ah, puis alors les grèves, quoi, les grèves tournantes et. Le malaise social. Alors ça, est-ce que pour vous, c'est un point négatif ou un point positif ? À quel sens, point négatif ? Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Ben, c'est toujours pareil, c'est toujours la faiblesse du gouvernement, à mon avis, qui est la cause de tout ça. Il n'y a pas de doute. Parce que c'est inadmissible qu'il y ait des grèves. Qu'est-ce qui en supporte les conséquences des grèves ? C'est l'ouvrier. Bien sûr, on dit le gars, mais hey, regardez mes mains, regardez mon pouce, regardez un petit peu comme je suis arrangé. J'ai 60 ans, je suis encore obligé de travailler, puis la retraite, elle n'est pas encore pour demain. Alors, devant tous ces trucs-là, le gars qui a... Ben, il se met en colère et puis il dit, je fais grève, j'ai que ce moyen-là. Il a que ce moyen-là, le gars, de faire la grève. Il peut pas aller se battre avec le patron, non. Il dit, on veut pas me donner de quoi manger. Je demande que de quoi manger, de quoi pas être comme ça. Mes gosses soient... Regardez mes godasses, elles sont même pas bons, ben... Alors là, on peut qu'approuver ces gens qui... Par exemple, moi, j'estime que ces gens, en ce moment... Ils font la grève, mais ils font la grève pour moi aussi. Et tout à l'heure, vous posiez la question, il est tout... même celui qui utilise le chemin de fer ou le métro, ou... voire l'EDF, comprend très bien la situation et n'a pas de raison d'en vouloir à un employé. Ça, vous pensez qu'il y a une solidarité, finalement, c'est normal. Sur les revendications. Oui, c'est monde. Exact. Et à part ce problème spécial des revendications de salaire et des grèves, est-ce qu'il y a eu autre chose qui vous a frappé pendant le mois de mai comme événement important ? Ben, l'événement important, en dehors des questions sociales, c'est tout de même la température, si on peut dire, le temps du mois de mai. Oui, parce qui était un peu particulier. Qui était particulier. Bon. Et à part ça ? Naturellement, il y a d'autres événements que... Il est préférable d'austère. Ouais, il est préférable d'austère. Oui. Ça vous paraît pas inquiétant ? Enfin, autrefois, les Français aimaient bien parler des événements politiques. C'était même leur principal sujet de conversation. Maintenant, quand on leur en parle, ils disent « Oh, vaut mieux austère ». C'est un changement, sûrement ? Non, ben, vous savez, remarquez qu'on pense tous pareil. Hein, vous savez. Ils ne pensent pas. Vous ne pensez pas ? Mais c'est la suprême sagesse. Mais comment faites-vous ? Ah, ben... Vous connaissez, comme les bouddhistes, je fais le vide en moi. La doctrine c'est pas difficile. Ne rien c'est voir, ça. Ne rien dire, ne rien entendre. Enfin, vous arrivez vraiment ? Il y a un peu trop de bruit quand même. Non, je ne veux pas parler à votre radio. Votre radio, c'est une radio prostituée. Attendez, elle est prostituée au gouvernement, la radio. C'est pas la radio du gouvernement, non, sans blague. Tant de valets à la télévision, la radio diffusion française. Il fait son métier, vous n'avez pas besoin de ça. Ça fait rien. Bah justement, si j'ai l'occasion de dire ce que je pense, moi je vous dis que les Français sont des inconscients et que nous allons à une autre guerre. Ben là, qu'elle est en Russie, elle verra bien. Oui, bah si je connaissais la langue, j'irais en Russie. Si j'avais 20 ans de moins, j'irais vous en Russie. Bien vite, oui, oh, oui, oh. Ben évidemment. Mais vous en faites pas. Vous y êtes allé. Il n'y a pas besoin d'aller dans un pays pour le connaître, vous savez. Si, je suis allé aux États-Unis. Oui, vous êtes allé aux États-Unis. C'est l'opposé. Oui, c'est l'opposé. Eh, dis donc, qu'il en finisse avec ses analphabètes et ses chômeurs, le Kennedy, là-bas. Ben, en Russie, c'est pareil. Vous y êtes allé en Russie. Non, je ne suis pas allé en Russie. Je n'ai pas besoin d'aller en Russie pour savoir ce qui s'y passe. Eh oui, monsieur. À la
attendez, quel est l'événement le plus important du mois de mai? Mon Dieu, moi, c'est les pommes de terre qui ont atteint 220 francs. Je trouve que c'est un résultat absolument remarquable. Il y a aussi eu un événement sensationnel. Il y a eu le fait que la radio a annoncé un grand renfort de discours, Didier en trip, disons, que aucun vieux ne toucherait plus maintenant moins de 11 000 francs par mois. C'est quelque chose qui est absolument réjouissant. Enfin, pensez que tous ces vieux vont se mettre à faire des noces épouvantables avec leurs 11 000 francs par mois. Et on a même été jusqu'à annoncer comme une victoire, n'est-ce pas, et un signe de grandeur de la France, que dans 3 ans, il n'y en aurait plus qu'il y aurait moins de 15 000 francs par mois. Ben, je trouve ça absolument sensationnel. Et pour moi, comme pour d'autres, le reste n'est que péripétie à côté de cette grande victoire remportée par les vieux. Et alors, qu'est-ce que vous attendez des mois qui viennent? On espère toujours une petite amélioration, surtout des conditions de travail. Ouais. Il semble que ça serait celui qui peine, qu'on ne porte pas de revoir toutes ces grèves-là. Si on pouvait gouverner ses prévoirs, on dit toujours. Oui. Si on pouvait éviter tous ces machins-là, discuter, quoi. J'ai l'impression qu'on ne prévoit pas tellement, en somme, actuellement. L'avenir, ordinairement, pour les gens, c'est un peu comme la ligne d'horizon, vous savez, c'est... on ne rejoint jamais. De toute façon, il faut 30 ans pour l'atteindre, et puis au bout de 30 ans, c'est encore 30 ans. C'est nos enfants. Alors qu'en réalité, en ce moment, il se passe une chose extraordinaire, c'est que l'avenir est en avance sur nous. C'est-à-dire, on est en retard, on est en retard sur l'heure actuelle. Nos rêves sont trop courts pour ce qui existe déjà. Il y a de grosses révolutions qui se préparent par les faits, si vous voulez. Alors qu'on est en train de rêver de loisirs, qu'on est en train de rêver de, je sais pas moi, d'un tas de choses, en réalité, la réalité est déjà au-delà de nos rêves, si vous voulez. Ce que je trouve dramatique, c'est que l'univers s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Vous avez l'air étonné, Oui, parce que vous parlez justement de ce qu'on pourrait faire au sujet des loisirs, au sujet des améliorations. Oui, mais voilà, justement. Ça me paraît être de l'avenir, mais pas du tout. Mais voilà justement le drame, c'est que maintenant où on pense en ces termes-là, on revient très exactement à une organisation des loisirs, c'est-à-dire que les vieux modèles, dans lesquels d'ailleurs les ingénieurs conseils ont réussi à partir de 36, à cause même de la nécessité de penser en termes rationnels, les vieux modèles continuent à s'imposer alors qu'il ne s'agit plus de tout ça, enfin. Les loisirs, c'est par définition le non-travail. On va penser le non-travail en termes de travail. Je vois ça beaucoup plus simplement. Il me semble que petit à petit, on arrivera par le machinisme, par l'automation, l'automatisation, comme vous voudrez, je ne sais pas sur les termes, on arrivera à faire que la semaine de 40 heures passera à 30 ou à 25, et à ce moment-là, automatiquement, le travailleur aura plus d'heures à ne pas travailler. Oui, mais c'est un problème grave. C'est pas ça. Vous êtes un exemple des freins qui existent contre les loisirs, en disant petit à petit on arrivera à 30 heures. Vous savez qu'actuellement on pourrait déjà arriver à la... On pourrait déjà, demain on pourrait instaurer la semaine de 30 heures. Il n'y a que des obstacles moraux. Dans beaucoup d'industries, on a dépassé les structures de lutte contre la rareté, c'est tout ce qui caractérisait le 18e et 19e siècle, c'est-à-dire le fait que si on ne travaillait pas, on crevait, quoi. On a tout à fait dépassé dans beaucoup d'industries, mais on fait comme si on ne l'avait pas dépassé. C'est très important de savoir qu'en fait, effectivement, beaucoup d'industries pourraient travailler 30 heures semaine, par exemple, mais ne le font pas. Les freins en question dont vous parliez, je crois tout simplement, c'est que le patron n'a pas intérêt. C'est pas le patron. Mais non, absolument pas. C'est les gens, les Français moyens, vous comme moi. Vous voyez comme vous êtes réticent vous-même. Vous ne prenez pas tout à fait au sérieux. Je ne suis pas réticent du tout. Je souhaite qu'on travaille le moins possible et qu'on se repose le plus possible. C'est un souhait. Tout le monde en est là. Tout le monde en est là. Que faudrait-il faire pour que ce souhait se réalise? Que faudrait-il faire? Vous voyez, ce conditionnel déjà. Alors, que faut-il faire? Ça me choque. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Comment se fait-il qu'on ne le fasse pas? Bon. Et ça... Enfin, écoutez, c'est quand même une chose. Votre bon et ça, ça signifie que vous n'y croyez pas. Si, mais c'est vrai. Je l'imagine. C'est vrai, mon petit père. Parce que regardez par la fenêtre, regardez les gens qui travaillent. Ce qu'on appelle les gens qui travaillent. Il y a très peu d'ouvriers. La plupart des gens, que font-ils? Ce sont des gens qui font des additions, des soustractions, des statistiques, etc. Ce sont des improductifs, enfin des commerçants. Les trois quarts des gens qui prennent le métro, ce sont des gens qui ne travaillent pas de leurs mains, qui travaillent, qui tripotent l'information.
Eh bien, actuellement déjà, hein, il existe des machines. Ces machines sont actuellement tellement mal utilisées que c'est comme si elles n'existaient pas. Seulement, elles existent. C'est-à-dire que de plus en plus, quand même, des gens se disent, mais si, on pouvait l'utiliser mieux. Et à chaque fois qu'un pas est fait, c'est effectivement une structure qui croule. C'est-à-dire une inutilité qui se manifeste. Alors, si je comprends bien, d'ici très peu de temps, oui, je crois. Ça, je crois. Grâce à ces machines, tous les improductifs en question vont se trouver sans travail. Non, vont se trouver sans prestige. C'est très différent. Sans prestige ou sans travail ? Alors, tout un problème de structure, ou bien on leur inventera du travail, mais de toute manière, ils auront perdu ce prestige. Parce que jusqu'ici, ils pouvaient croire à ce qu'ils faisaient, mais ils ne peuvent plus croire à ce qu'ils font à partir du moment où des machines le font mieux qu'eux. Mais il y a déjà eu une surprise pour l'abonné du gaz ou de l'électricité, c'est d'avoir ces petites fiches perforées. Et il a eu l'impression qu'on le volait, qu'on le trompait, qu'il n'avait plus le moyen de vérifier. Il ne vérifiait pas du reste avant. Oui, est-ce que par la suite, on ne va pas être appelé, si ces machines prennent de plus en plus d'importance, à ne plus rien comprendre? Alors vous posez un autre problème qui est qu'il est possible que le monde de futur se divise en deux clans terriblement contrastés qui sont les initiés et non initiés. C'est évidemment un problème. À votre avis, est-ce que tout cela n'est pas lié au politique et à l'économique ? C'est pas lié parce que nous sommes encore dans des structures très caractéristiques d'économie de pauvreté, d'économie de rareté, d'économie dans laquelle... Comment sortira-t-on de ces structures ? Je crois que ça éclatera tôt ou tard, quoi. Bien sûr, nous avons un frein énorme qui est le tiers-monde. Hein. Il est évident qu'il est inimaginable à l'heure actuelle de penser à s'acheter un troisième ou quatrième réfrigérateur si nous savons que toute une population est en train de crever de faim. Bon, nous savons aussi que les moyens biochimiques nous permettent, si on voulait, de nourrir toute la population du globe sans tellement de difficultés. Donc, ce n'est pas un problème technique, c'est bien un problème de conscience. Si vous voulez, la technique maintenant permet à l'homme d'être libre. Pourquoi ne veut-il pas être libre? Ça, je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien à vrai dire. Est-ce que dans la liberté, et l'indépendance en tout cas, il n'y a pas la tentation de l'Occident, c'est-à-dire l'oubli des valeurs africaines au profit de valeurs européennes liées à la civilisation technique? Justement, et puis il y a beaucoup d'Européens, il y a beaucoup de professeurs qui s'appuient sur ce fait, en disant que quand au contact des Africains et des Européens, les Africains ont vu certaines choses qui concrétisent la valeur et le bonheur des Européens. Alors, ils recherchent cela. Par exemple, les frigidaires. Le frigidaire, c'est signe de civilisation. La machine à laver, des choses comme ça. Absolument fini impeccablement. C'est quelque chose de vraiment sensationnel en tant que vu qu'appareil. Alors là, on va... On l'aura approché un moment. Tout le dacier vitrifié à 900 degrés. Hein, vous la connaissez, oui. Puisque vous l'avez. Oui, un moment. Les mailles ne bougent absolument pas. Mais ne bougez, c'est ma marque de cuisine. Oui, mais c'est quelle cuisinière? C'est-à-dire, nous avons trois prix, vous voyez. Vous avez l'appareil sans la minuterie, vous avez un appareil avec minuterie. Est-ce que je peux vous demander ce que vous allez faire maintenant de ce qui est? Je vais toujours le garder en souvenir de la foire de Paris. Non, je voudrais en faire une sarbacane pour mon fils. Comme ça? Je vais à mon père. C'est pour envoyer, moi j'ai surtout pris des petits bouchons, c'est pour faire des colliers pour les petits nègres à Madagascar. Parce que je suis assez bricoleur et j'ai deux gouttes de tube à rajouter, deux gouttes de caoutchouc à rajouter, alors je m'en vais mettre mes deux gouttes de caoutchouc de côté, ça me refera une longueur de tuyau. Je vois que vous avez pris beaucoup de choses, vous avez pris aussi un élément de bac de gaz. Oui, ça fera avec un galon en haut. Et qu'est-ce que vous pensez des Français? Français, au début, quand j'étais assez très jeune, tout petit, ma grand-mère m'avait toujours dit « méfie-toi des Français ». Elle m'avait tout dit « méfie-toi des Français » parce que
elle en a subi pas mal de vexations, d'espèces de choses qui sont en rapport avec la colonisation. Le fait est qu'elle a dit, méfie-toi des Français. Et quand mon père a décidé de m'envoyer en France, il a dit, ah non, pas question. Elle s'y est toujours opposée. Elle ne voulait pas que j'aille en France. Ça se comprend parce que elle avait fait notre éducation et puis... Elle nous quel âge vous avez donné en France ? 13 ans, 14 ans. Quelle était votre première impression ? La première chose, pour vous dire... Franchement, quand je vois un Français, quand j'ai vu un Français, quand je suis venu en France, ben, je dis, ah, ce sont ceux qui nous ont vaincus. La première chose, c'est ça. Je dis, ah, donc, ce sont ceux-là qui nous ont vaincus. Voilà. La première chose... La seconde chose ? La seconde chose... Nous pouvons les vaincre à notre tour. Vraiment, d'abord, je croyais que quand on parlait de France, c'est tous les Blancs étaient français. Français, que tous les Blancs étaient français. Je savais qu'il y avait des Américains, on les appelait des Yankees d'ailleurs. Et puis il y a les Germans, c'est-à-dire les Germains, c'était les Allemands, puisqu'ils étaient à côté, puis les Anglais. Puis, à part ça, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus rien du tout. D'ailleurs, on nous avait mis ça dans les yeux, qu'il n'y avait que ça. Et puis, c'était les plus forts, puis les plus civilisés. Bon. Alors, je suis venu en France. J'ai vu Paris au début. Paris, je l'ai vu de nuit, avec la lumière et tout ça. J'ai trouvé que c'était beau, mais... Je suis regardé assez curieusement les Français, les Blancs que je rencontrais, qui étaient très ordinaires et qui n'étaient pas comme du tout comme ceux que j'avais vus et que j'avais rencontrés en Afrique. Pas du tout la même chose. J'étais assez simple. Ils étaient comment ceux que vous aviez vus en Afrique ? On ne les touchait pas, on ne les voyait pas. C'était des gens... ils étaient éloignés. Je voyais toujours le Blanc, c'était le gouverneur pour moi. Quand il venait, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, il fallait vous mettre en rang et aller défiler là-bas pour qu'il passe et, au son de la musique, les ronds, etc. Et puis il passe et il accroche quelques, je ne sais pas quoi, aux vieux qui ont été très sages ou je ne sais pas, choses comme ça. Bon, alors ici, j'ai trouvé simple, mais je me méfiais, je me suis toujours méfié. Alors, j'avais mon oncle, qui est très chrétien, m'ont débarqué chez des frères. Bon. Alors, j'avais en Afrique, les curés, les prêtres, ben, je les savais comme ça, parce que j'avais été en présence de beaucoup de faits. Par exemple, il y avait des camarades qui allaient à la mission, qui apprenaient le catéchisme et qui... C'est pas spécialement pour apprendre le catéchisme, ils allaient pour s'instruire, pour apprendre à lire et à écrire, et on leur faisait le catéchisme. Ils y passent, il n'y a rien à faire. Mais quand ils assistent à nos cérémonies traditionnelles, et qu'ils aillent en confession, et puis ils avouent qu'ils ont assisté, parce qu'on a défendu, allez, nos choses, c'est le diable. Alors, le diable, c'est l'enfer. Alors, ceux qui sont convertis, pour moi en tout cas, ils se sont convertis, parce qu'on leur dit, ou bien vous irez brûler éternellement, ou bien vous irez au ciel... Pénard, etc. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça. C'est pourquoi, justement, je vous avais dit que si c'est pour aller au ciel pénard ou bien aller en enfer, en reniant ce que mes ancêtres ont cru, donc si mes ancêtres ont cru ceci, ils sont donc partis en enfer. S'ils ont cru cela, on me dit maintenant, si tu crois cela, tu iras en enfer. Alors mes ancêtres, donc, ils sont partis en enfer. Alors, c'est pourquoi je dis, je préfère aller en enfer avec mes ancêtres que d'aller au ciel avec... Je sais pas qui, moi. c'est ça que je préfère, cet enfer-là. Ben justement, les prêtres, Alors vous êtes arrivé chez les frères ici. Oui, je suis arrivé chez les frères, mais ils m'ont donné toute une autre impression que ceux qui étaient en Afrique, qui, quand vous assistez à vos cérémonies, vous avouez à la confession que vous êtes parti en chose, assistez aux cérémonies, ou bien vous avez assisté à une danse de revenants, ils vous bottaient carrément, et bien comme il faut, avec des espèces de pamatois et tout ça, bien comme il faut. Alors les frères, ils m'ont donné toute une autre impression, très sympathique, et
J'étais très bien chez eux. Je me suis disputé une seule fois là-bas. C'est au sujet de notre histoire. Quand on était arrivé à un endroit où ils disaient que les Français sont arrivés au Dahomey et qu'ils ont vaincu et écrasé Béanzin, qui est une armée de roitelet sanguinaire, etc. Alors ça m'a... J'ai déchiré le livre. Ce jour-là, j'ai déchiré le livre, puis... J'ai gueulé. Et puis je suis sorti. Alors ils ont dit non, que l'histoire s'était fait comme ça. Alors on l'apprend. Je dis, ah bon, j'étais furieux. J'ai dit, n'importe comment, ce jour, nous libérerons. Et puis vous verrez, vous avez des avions, mais nous ferons notre avion aussi. Et puis vous verrez, le jour où vous verrez un avion dans le ciel avec une espèce de croix comme ça, c'est que c'était un peu de jeunesse. Mais vraiment, c'est... Ça s'était opposé à ce que ma grand-mère m'avait appris sur notre histoire. Ils nous avaient dit mais comment nos ancêtres s'étaient défendus, que ce n'était pas du jour au lendemain que les Français ils ont conquis le Dahomey. Pas du tout, ils ne l'ont pas conquis facilement. Et ça avait été très difficile et j'aimais beaucoup notre histoire. Et voilà maintenant qu'on me dit ça, c'est la seule fois que je me suis mis en colère. Bon, et puis, en ce moment-là, c'était... On m'avait envoyé au Massif Central. Et au Massif Central, vraiment, c'était des gens... Ils avaient presque... J'avais jamais vu de noir. Alors là, on avait dit, oh, vous voyez le nègre, choses comme ça. Alors, des fois, quand on disait ça, on se fâchait. Alors, on était très susceptibles. Et puis, coup de poing, en fin de compte, on est resté avec des camarades, on est resté 3 ans. Mais après, ils nous montraient plus du doigt. Oui, ils ont pris l'habitude. Alors, il y avait un... De voir des blancs que vous n'aviez pas vus si. Avant. Si, je les voyais avant, mais c'était pas intégré. Ben, je me suis pas intégré. Je me suis pas plus intégré qu'avant. Non, mais il y avait un camarade chinois, justement, qui avait dit que... Ah, voilà, enfin, on les a civilisés. On les a civilisés parce que maintenant, ils ne nous montraient plus. Bon, c'est l'idée que j'ai eue du blanc. Pourrait... Vous avez des amis blancs, ensuite ? Oui, j'en ai eu quelques-uns qui m'ont invité chez eux, beaucoup par sympathie, peut-être pour me montrer qu'ils ne sont pas racistes et qu'ils n'avaient pas de préjugés, mais... Mais indépendamment de ces bons sentiments, vous avez eu des vraies relations d'amitié avec eux ? Non. Les rapports avec les autres, ça demande une part de déguisement, de maquillage, de camouflage. Ah non, c'est pas des choses rajoutées. C'est pas une chose rajoutée comme on a vu ce matin le perroquet, par exemple. Non, c'est vraiment, ça correspond au contraire à une des facettes qu'on a en soi, non ? On peut pas toujours réaliser dans la vie courante. Alors le déguisement le permet. C'est vraiment une accentuation au contraire de soi-même, non ? Un peu moi, je sais pas, j'aime beaucoup les choses merveilleuses, donc je mets des grandes robes de chambre, des choses comme ça, des chapeaux incroyables, hein, comme ça, parce que... Puis ça correspond aussi à la cérémonie, je sais pas, des choses de cérémonie. Qu'est-ce que ça, j'aime beaucoup, la cérémonie ? Quels sont les lieux de cérémonie ? Quels sont les moments de cérémonie ? Pour moi, les moments de cérémonie, eh bien, c'est... Quand, par exemple, on se prépare... Quand il faut... Enfin, je me prépare exprès pour une chose. Par exemple, je sais pas, on va aller au restaurant. J'aime beaucoup préparer ces choses-là. Je vais dans un restaurant très précis où je sais que je mangerai une chose très précise et qui m'enthousiasme. Alors, je dois m'habiller avant, préparer, me maquiller. Tout ça, ça fait partie de la cérémonie, non ? C'est une chose bien enfermée sur elle-même. Ça devient un moment vraiment enfermé, comme ça, dans le temps, où tout va être beau. Où je m'imagine, en principe, que tout va être beau. Des fois, ça rate, malheureusement. Mais enfin, comme ça, il y a une espèce d'excitation, non ? On se prépare pour faire quelque chose. Donc, c'est une cérémonie quand on se prépare pour faire une chose donnée, non ? Au fond, j'aime tout ce qui échappe, tout ce qui peut me faire échapper de la réalité, au fond. De la réalité, enfin, de tous les jours, la routine, plutôt. Par exemple, moi, je sais, quand je sens comme ça que ça devient une chose routinière, j'ai l'impression que, par exemple, quand on est avec une personne et qu'il n'y a plus... le contraire de la routine, c'est les élans, c'est l'enthousiasme, non ? Et quand on est avec une personne comme ça, où l'enthousiasme baisse un peu, on commence à dire des mots qui sont vraiment des mots morts. Qui commencent alors à vous tomber vraiment dessus comme de la cendre qui vous enterre. Qui vous enterre. Alors là, il faut vraiment réagir, secouer tout ça. Et alors, il faut se replonger en soi-même et recréer, réinventer presque tout, non ? Oui. Pour échapper justement à ces choses mortes qui petit à petit vous tombent dessus, comme ça. Évidemment, c'est très difficile, il n'y arrive pas toujours. Des fois, les choses meurent quand même. On n'est pas capable.
Et les bêtes? Les animaux, alors ça, j'en demandais pas. Ça, normalement, ceci. Alors ça, c'est vraiment une chose pour moi, les animaux qui me réconcilient avec le reste du monde. Non, moi, je vis comme ça d'une façon très isolée parce que j'ai peur de la méchanceté des gens, j'ai peur de ce qu'ils pensent, j'ai peur de la vulgarité, j'ai peur de tas de choses comme ça. Donc, je suis très, très isolée. Je m'isole vraiment énormément. Je perds beaucoup de choses aussi, je ne vis pas. Mais j'ai tellement peur comme ça d'être blessée, non, par toutes ces choses, que moi je suis très isolée. Alors par contre, les animaux, au contraire, ça fait vraiment comme un palier entre les gens. Et ça, vraiment, ça me réconcilie avec le monde, à travers leur bonté, leur innocence. Comme... Alors, regardez comme il est joli. Essayons-en, allez. Et puis, ils se prêtent bien, d'ailleurs, hein, on ne dit rien. L'air de l'alcade. Mais c'est vraiment extraordinaire. Les chats, c'est vraiment les animaux qu'on a envie de. Ils ont une coquetterie naturelle, non? Comme ça. Mais celui-ci, ça, c'est vraiment. Ça, c'est le chapeau que j'adore pour elle le plus. Je trouve que c'est un chapeau extrêmement comme ça, coquet, insolent, extrêmement féminin, non? Non, mais c'est un rôle, ça. Elle joue Cocteau, là. Parce que j'avais pas le sentiment d'être une privilégiée. Ça, c'est parce que vous êtes belle, par exemple. Dans la mesure où je suis en bonne santé et que je ne suis pas trop laide, oui. Dans le sens où je me suis protégée de ne pas avoir, je ne sais pas, 10 enfants, des choses comme ça, ce qui m'obligerait évidemment à, une, à être plus engagée. Oui, engagée, ça veut dire pour moi prendre une voie, éliminer les autres. Au fond. Chose que j'aime pas parce que je suis trop curieuse de tout. Alors, pas envie de prendre. Non, non, absolument pas. C'est-à-dire, ce qui est terrible pour moi, c'est que je refuse absolument de m'engager dans quoi que ce soit. Oui. Oui, je veux dire, imaginez quelqu'un qui refuserait d'aller à n'importe quelle voie. À fond, il viendrait clochard. Mais moi, je pourrais très bien devenir clochard, je ne sais pas. C'est une chose d'ailleurs qui me hante assez. La mort, pour vous, c'est quelque chose que vous acceptez, en fait. J'accepte pas du tout. C'est même épouvantable, des fois il m'arrive de penser à l'instant précis où on va mourir, non? L'instant précis où on va écouter son dernier souffle. Mais je me mets à pleurer des journées entières, c'est tellement épouvantable, non? Vous n'êtes pas religieux? Je ne suis pas très religieuse, non? Vous êtes croyante? Oui, je suis croyante. Je trouve que c'est la grande explication de l'humanité, c'est Dieu. Et que son attitude doit aussi être déterminée par cela. On n'a pas le droit, si on croit que Dieu a fait l'humanité, de la mépriser ou de la détester. Ou... Non. Bon, et pour ceux qui, justement, alors oui, ça c'est facile pour ceux qui croient. Et tu crois que pour ceux qui, par exemple, qui Dieu n'a aucune signification, alors comment? Mais vous me dites que vous êtes croyante, donc vous avez choisi une attitude vis-à-vis de l'humanité. Comment l'exprimez-vous, cette attitude? Je ne l'exprime pas du tout. Ça vous ennuie pas? Oui, bien sûr, ça m'ennuie. Pour ça, c'est très difficile. Voilà, c'est ça. Alors pour toi, l'humanité, c'est une utopie, c'est quelque chose d'abstrait à laquelle on pense, qui vous donne une certaine, confiance, certain. Par exemple, à Inter, on a fait le morceau de ses films chez Renault. On est les ouvriers en grève, ils sont en grève pour des raisons absolument idéologiques, parce qu'ils ont trop de bruit dans leurs ateliers. Voilà, situation très concrète, ici, à Paris, à Billancourt, des gens dans qui souffrent. Vous vous sentez concerné par leur souffrance? Concerné, mais inutile. Les communistes qui sont par excellence le monde athée, mais ils sont bien trouvé une explication à l'humanité. Oui, c'est ça, mais entre les deux, entre les croyants et entre les communistes. Ah ben ceux-là, ce sont les tiers. Il y a des communistes croyants. Et ben, dans les tiers, c'est les gens qui ne devraient pas exister. Ça. Bon, la preuve, le monde, c'est les croyants et les communistes, en quelque sorte. Oui, enfin, tous ceux qui ont une foi. Oui. Quel pensez-vous tient la meilleure part actuellement du monde? Du quel côté? Qui souffre précisément? C'est ceux qui répondent le mieux à... l'humanité. Franchement, en ce moment, ce sont tous les communistes. Je pense que les communistes, oui, c'est ça, ils sont beaucoup plus... beaucoup plus actifs. Ils sont beaucoup plus engagés que les chrétiens. Mais l'esprit, quand même, je pense que c'est... Mais pas quand même, cet esprit de revendication, on n'a pas... Il n'y a aucune haine dans la religion, il n'y a aucune rage.
Est-ce que le communisme, c'est quand même dirigé contre quelque chose avant de devenir actif? Faut détruire. J'ai l'impression que quand vous parlez du christianisme, vous pensez à sa forme la plus élevée, qui est noble, et quand vous pensez au communisme, vous pensez à sa forme la plus basse, qui est la rage, n'est-ce pas? Oui, mais c'est sa forme la plus basse. Je ne pense pas qu'il y ait eu des chrétiens rageurs et des communistes nobles. Chez les meilleurs. Non, Catherine. J'ai quand vous parlez des chrétiens, de qui parlez-vous? Les meilleurs, disons. Les meilleurs, bien sûr. Le communisme, pour moi, représente, c'est assez difficile de le définir en quelques mots, mais à la fois ma raison de vivre et mon espérance pour demain. Je n'ai pas à le cacher. Au début, est-ce qu'il arrivait que vous opposiez au communiste? Il y avait certainement, au point de départ, certaines oppositions ou... Qu'est-ce que vous leur disiez? Eh bien, évidemment, la grosse objection qui, à l'époque, en 1946 ou 47, venait sur mes lèvres et dans mon esprit était la suivante, c'est que le communisme était athée et que j'étais croyant. C'est que le communisme était athée et qu'il s'en vantait et que le monde qu'il voulait construire était un monde sans Dieu, bâti pour l'homme et avec l'homme. Et quand j'ai vu dans les conversations et dans les actions quotidiennes de ces camarades qui, sans Dieu, et uniquement avec leurs forces et avec leurs ambitions, avec leur volonté, avec leur travail, avec leurs efforts, voulaient changer le monde, quand j'ai vu que le communisme, c'était les communistes, alors il a été plus facile pour moi de laisser de côté les discussions et d'aborder l'action fraternelle avec eux. Vous êtes donc venu au communisme par le syndicalisme. Vous êtes d'ailleurs surtout militant syndical maintenant. Comment s'est effectuée votre rencontre avec le syndicalisme? C'est un militant qui est venu vers moi, c'était à la sortie de la cantine. Il savait d'ailleurs, ou il venait d'apprendre que j'étais prêtre et que je venais travailler en usine. La chose l'a surpris. Il ne pouvait pas concevoir, lui militant cégétiste, qu'un prêtre puisse venir sans arrière-pensée partager les conditions d'existence, les conditions de travail de tous ses camarades. Son premier sentiment était certainement un sentiment de méfiance. Mais il m'a proposé la carte syndicale. Est-ce que tu veux adhérer à la CGT? J'ai réfléchi, j'avais déjà réfléchi, j'ai dit oui. Donc depuis 1946, je suis adhérent et militant de la CGT. Mais le véritable problème n'était pas seulement de travailler comme mes autres camarades. Le problème pour les militants qui m'entouraient était de savoir si, oui ou non, ma participation à leur lutte du fait que je venais de prendre la carte syndicale était une participation sans arrière-pensée, authentique. Si j'acceptais, autrement dit, de lier ma vie à la leur, de lier ma lutte pour mes revendications personnelles à leur lutte à eux, mais sincèrement, et sans qu'un beau jour l'Église ne vienne me dire « ça suffit, rentre dans le giron de l'Église maintenant, l'expérience est terminée » et c'est pourquoi depuis 1946, j'ai tenu absolument à ce que ce ne soit pas une expérience, mais que ce soit ma vie, tout simplement. C'est dans le fond même le nœud du problème. L'Église a voulu tenter une expérience en espérant que nous resterions toujours en deçà d'une compromission ou d'une adhésion trop complète à cette lutte ou à ces luttes. Or, petit à petit, la transformation s'est opérée. Il a fallu rompre, il a fallu choisir plus exactement, ou être ouvrier ou être prêtre. Mais il était inconcevable qu'on puisse participer totalement à la lutte ouvrière et rester d'église. Et vous avez fait ce choix? J'ai fait ce choix, oui. Lorsque l'Église nous a demandé, en 1953, d'opter entre l'Église et la lutte ouvrière, j'ai préféré, par fidélité à ma prise de carte de 1946, rester totalement ouvrier et continuer de participer journellement, et je pense pour toute mon existence,
à la lutte de la classe ouvrière. Dans votre foi, à l'époque, vous incluiez la transcendance? Oui, à l'époque, oui, en 1940. C'est une chose dont vous êtes totalement détaché. Absolument, oui, oui. C'est trop personnel de vous demander comment s'est fait le détachement? Il s'est fait très progressivement. Il s'est fait très progressivement et je pense que, je ne dis pas c'est une nécessité pour un militant, mais ça devient peut-être peu à peu une conviction. Je me trouve tellement pris dans la nécessité, enfin ma conviction est telle, que la transformation de la société doit se faire pour que les hommes soient plus heureux, que je vais peut-être employer une locution un peu brutale, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de Dieu ou de ses possibilités d'existence. Dans le Matin des Magiciens, on dit que le Christ était un mutant. Vous avez lu le Matin des Magiciens? Parcouru, oui. C'est ce qui m'intéressait. C'est ce qui vous plaisait de... Enfin, de savoir s'il y a des habitants sur les autres planètes, de savoir ce qu'ils pensent. Le rêve, en mai 1962, se consomme tout préparé. Section de Marine, appel CQG. Secoupe touchée, tombée dans le Potomac. Pour beaucoup de Parisiens, la télévision est la seule fenêtre ouverte sur le reste du monde. Et cette fenêtre est d'autant plus nécessaire que la maison est plus petite. Oh, c'est là que c'est bien. Oui, j'étais jusqu'au collège technique en première. Oui. Première technique. Puis après ça, vous avez commencé à travailler. Oui, l'année dernière. Alors, première place. Vos impressions quand vous êtes entré dans cette usine? Écoutez, ma première usine, j'y ai fait une semaine. Parce que je me suis présenté, je leur ai dit, voilà, j'ai mon CAP. J'ai lu sur votre journal, sur un journal, que vous demandez des tourneurs PA. Alors, je ne suis pas PA, mais j'ai mon CAP. Alors je peux avoir l'équivalent de PA. Si vous voulez me faire un essai, je veux bien. Alors ils m'ont dit oui, d'accord, ils m'ont fait un essai. L'essai, ça s'est très bien passé, puisque j'ai eu une note de 16 sur 20. Alors ça s'est très bien passé, et puis alors ils m'ont embauché. Ils m'avaient embauché quand même, j'avais une bonne paye. Seulement, voilà, là-bas... Combien vous aviez? Ils m'ont embauché à 310. 310 francs de l'heure. C'était un début avec la promesse de m'augmenter au bout d'un mois. C'était la première fois que vous gagnez de l'argent. C'était la première fois que j'en ai de l'argent. Alors, j'ai commencé à travailler le lendemain et puis deux jours après, j'ai eu un Européen qui travaillait dans le même atelier que moi et qui était manœuvre. Il trouvait anormal que moi, Algérien, j'étais un professionnel, ce qui est encore vrai puisque je débute seulement, et que lui, il venait nettoyer le tour. Le soir, il vient nettoyer le tour. C'est tout à normal et tout ça, il s'est plaint au chef, tout ça. Il dit pourquoi à l'Algérien, ce n'est pas digne de travailler, de faire marcher sur les pieds par l'Algérien. Le document officiel du ministère du Travail déclare textuellement que les Algériens ne trouvent souvent que les tâches les plus malsaines et les plus inférieures. Au mois de mai 1962, dans l'euphorie des accords d'Évian, on a un peu tendance à oublier que le dernier des prolétaires d'un pays colonisateur a toujours un sous-prolétaire, celui du pays colonisé, et que cette réalité survit à la colonisation. Alors c'était votre premier contact, ça, avec la différence avec le racisme, ouais. Quel effet ça vous avait fait? Ça m'a donné d'abord un espèce de dégoût envers ce bonhomme.
parce que vraiment les hommes sont pas faits pour se haïr. Et lorsqu'il m'a dit ça, ben ça m'a fait aucun effet parce que j'avais pas de complexe. Oui. Aucun complexe, je me sentais pas inférieur à lui et c'est pas parce qu'il m'insulte comme ça que je me sentirais inférieur à lui. Je suis un homme comme lui et puis c'est... Alors j'ai rien dit, j'ai dit t'as raison, je suis parti. J'ai pas voulu faire des histoires. Ça pour vous, cette époque-là, c'est la période où il y avait le plus de racisme en France, d'après vous. L'année dernière, non, pas précisément, mais enfin certains Européens, si je peux dire, tenaient quand même au racisme. Et alors dans la deuxième place que vous avez trouvée? Ouais, elle est venue un peu plus tard la deuxième place parce que entre temps j'ai eu des ennuis avec les képis noirs. Oui. J'ai eu un petit peu d'ennuis avec eux, ils m'ont fait rentrer à l'hôpital. Mais... Ils vous ont fait rentrer à l'hôpital? Oui, avec la DST. C'est-à-dire que vous avez été pris dans une rafle ou pris dans une... Non, pas précisément, j'ai été, si je peux dire, donné. Ah bon? J'ai été donné. J'étais donné et c'était le matin comme ça, on habitait des vieilles baraques et un jour je m'étais disputé avec, j'avais fait une remarque à point de vue discipline à un certain de mes compatriotes, alors pour me faire une vacherie il m'a donné, enfin on a su qui c'est et il est toujours vivant. Bon, et alors vos rapports là avec les képis noirs? Oui, ça s'est passé comme ça, c'était un vendredi matin. Ils étaient venus à 4h30 du matin et je m'étais levé un peu plus tôt et j'étais faire ma toilette. J'avais laissé la porte de ma chambre ouverte parce que c'était des petites chambres là-bas, des petites chambres. Et alors, ils sont rentrés et j'étais tendu sur le lit en train de lire un bouquin. C'était d'abord un tout jeune, il sentait l'alcool. Il venait d'avoir certainement bu, il sentait beaucoup d'alcool. Alors, ma réaction, c'était de voir comment ça se fait. Et un bonhomme rentre comme ça dans la chambre sans frapper, sans rien du tout. Puis sans l'alcool en plus de ça. Alors je lui dis, va curer ton vin autre part. Comme ça. Alors la réflexion, il saute sur moi. Puis il me fait debout. Alors je voulais pas me lever. Alors il insistait, alors moi j'étais en colère, je me suis mis à l'insulter, il m'a bien laissé insulter, puis à la fin il a mis sa main dans sa poche, il m'a sorti une petite plaque avec une main rouge DST. Alors quand j'ai vu ça, évidemment j'étais coupé. Je m'étais assis comme ça, bouche bée, je regardais, alors ils sont rentrés à 5 devant mon père et ma mère, ils ont appelé mon père et ma mère qui habitaient juste dans la chambre en face. Et ils ont fait lever du lit, ils y sont venus, ils les ont rentrés tous les deux dans la même chambre, mais il y en a deux qui m'ont pris, puis alors ils m'ont rentré dedans. Alors sur le coup, j'allais presque devenir fou, on m'a rentré à l'hôpital. J'ai eu une dépression nerveuse, on m'a rentré à l'hôpital Bichat. J'en ai pris pour 8 jours. À ce moment-là, est-ce que vous avez eu la même réaction que lorsque le manœuvre vous avait... Non, alors là, c'est pas pareil. Alors là, j'allais presque devenir raciste. Oui. J'allais presque devenir raciste parce que vraiment le gars il a pas eu de taxi, vraiment il m'a été donné. C'est vraiment il y a eu quelque chose, ils avaient des soupçons sur moi, mais ils ne seraient pas rentrés comme ça, ils m'auraient poliment et gentiment invité à les suivre. Mais alors tant qu'à me battre, à me donner une correction devant mes parents, ça je n'admets pas. Bon, parce qu'ils auraient pu faire ça, puis surtout me tomber à 3 sur moi. Donc. Parce que ça aurait été un, peut-être que j'aurais pris une volée, mais je m'aurais défendu quand même. Maintenant, comment vous voyez l'avenir? À mon avis, c'est pas un point personnel que je vous donne. À mon avis, moi, l'avenir de l'Algérie, c'est une Algérie libre, premièrement. C'est l'essentiel. Libre de ses opinions. Puis alors, surtout une coopération avec la France. Parce que tout le monde leur connaît, tous les Algériens, tout ce que je connais, et j'en connais beaucoup, tous sont de mon avis parce qu'ils savent très bien que la France, c'est comme une mère. Seulement, qui n'est pas,
On a une mère, c'est la France, mais on n'a pas de père qui nous gouverne. Ouais. Le père, je représente le père, le gouvernement. Mais enfin, tout le monde souhaite une Algérie indépendante, mais question politique, intellectuelle, économique et tout ça, avec une relation avec la France. Vous préférez faire votre vie en France ou en Algérie? Moi, personnellement, je ne retournerai jamais en Algérie. On peut savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que si je vais là-bas, je vais. J'ai rien là-bas. Tous mes parents, ils ont été tués. Pour vous, dans la vie, qu'est-ce qui compte? En dehors de la politique, en dehors de l'Algérie, en dehors des événements. Pour moi, dans la vie, ce qui compte, c'est d'abord élever la famille, puisque mon père est vieux, il a 56 ans, j'ai 6 sœurs et ma mère. Et je suis le seul qui travaille à la maison, alors ce qui compte pour moi, c'est d'arriver à un meilleur sort. Et pas rester toujours comme vous voyez, essayer de m'arracher un petit peu à l'ordinaire. Si c'était possible, vous aimeriez faire une carrière politique? Non, jamais. Quand tout sera tassé, quand tout sera arrangé, quand il y aura une solution, est-ce que vous continuerez à faire de la politique? Non. Non, la politique, ça va un certain temps, mais c'est... Alors qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là, en dehors du temps de travail? Il y aura le travail, puis il y aura les loisirs. En principe, moi, je me destine à l'éducation, à l'enseignement. Je désirerais à ce que la nouvelle génération, celle qui va me suivre, ait un peu plus de savoir, aussi bien intellectuel que de savoir vivre. Vous voudriez vous orienter vers l'enseignement, la formation? Vous envisagez le mariage? Non, pas encore. Pas encore? Vous y pensez? Non, même pas. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour? Oh, l'amour, on n'a pas le temps de la faire, mais enfin, ici à Paris, on est habitué à des petits flirts de 15-16 jours, c'est tout. Vous n'attachez pas... Je n'attache pas grande importance pour... C'est agréable, quand même. C'est agréable d'emmener une fille au bal et flirter, tout ça, oui, mais enfin, ça n'a qu'un temps, seulement. Vous croyez? L'amour? Non, bah oui, vous m'avez dit que oui, mais vous êtes religieux, vous êtes croyant, vous êtes... Non. Après, il n'y a rien. Ah non. Athée complet. Ah non, je n'y crois pas du tout. Moi, je ne crois pas avoir une deuxième vie. J'en ai déjà assez de celle-là, ça suffit. Non, mais c'est une autre question, ça. Ouais. Vous pouvez très bien avoir assez de celle-ci et ne pas souhaiter en avoir une autre, puis malgré tout dire, y en a peut-être une autre. Non, il n'y a rien. Moi, pas du tout. Quand je serai à la Terre, je serai à la Terre, et puis c'est...
Tel fut ce mois de mai. Le soleil y avait brillé 185 heures, soit 40 heures de moins que la normale. La température moyenne y avait été de 12,5 degrés. L'arrivage des légumes de 50 000 tonnes, celui des fruits de 36 000 tonnes. On avait consommé 12 500 tonnes de pommes de terre, 21 000 de viande, 8 000 de poisson, 4 000 de beurre, 5 000 de fromage et 918 000 hectolitres de vin. Le nombre des litres de lait bu par les Parisiens était de 37 millions et celui des passages dans le métro de 999 003. On avait brûlé 55 000 mètres cubes d'essence. La caisse d'épargne avait fait épargner pour 8 476 813 000 anciens francs. Il était tombé 43 mm de pluie et 600 tonnes de poussière. Citroën avait sorti 26 044 voitures, Simca 25 886, Renault 42 389 et Panhard 2 788. On avait applaudi 3 762 naissances, déploré 2 036 décès et assisté à 1055 mariages. On avait allumé pour 263 000 kWh d'électricité, on avait fumé 900 tonnes de tabac, 300 tonnes de gauloise ordinaire et 265 tonnes de gitane, on dénombrait 2 morts par grippe, 215 par lésion cérébrale, 15 par alcoolisme, 14 suicides, 10 hommes et 4 femmes, 132 morts par accident, 54 de tuberculose, 590 du cancer, 102 du foie. Pour les 5066 détenus des prisons de Paris, tous les jours du mois de mai furent absolument semblables. On est réveillé à 6 heures par le bruit des verrous que la bonne sœur ouvre, parce que c'est les portes, c'est des portes comme au moment où on a construit la roquette. Et la clé qui ouvre la porte, c'est une clé qui est longue comme ça, quoi. Alors le seul bruit de la clé dans la serrure, ça réveille tout un régiment.
Alors on le réveille, je sais pas, vers les 6 heures, et puis on va dans des lavabos communs qui sont... Comment ça s'appelle? C'est un hexagone ou quoi? Un pentagone? C'est une espèce d'hexagone, j'ai l'impression. C'est ça? Oui, enfin, à la pointe de chaque pentagone, c'est les toilettes, quoi. Alors tu as une rangée de robinets, et puis chacune fait sa toilette comme elle peut, quoi. Et puis... Au fond, naturellement. Oh, ben, bien sûr, il n'y a pas de chauffage, là-bas. Il y a l'appel, puis le petit déjeuner. Une fille qui passe avec une marmite pleine d'eau noire, horrible. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est tout. Il y a qu'un jus, quoi. Et tout le monde cantine, quoi, ou presque tout le monde. Il y a la messe le jour ou... Non, le dimanche. Oui. Alors, en général, tout le monde va à la messe parce que c'est un moyen de communiquer avec les autres, quoi. Les bonnes sœurs, ça réjouit. Oui. Elles sont comment? Elles sont 21 dans le temps, c'est vrai. Elles sont comme tout. Tous les gens, enfin, il y en a des biens, il y en a des très moches, mais il y en avait des très très bien, des jeunes qui... Il y en avait une particulièrement, une jeune qui s'était occupée de la section où j'étais en premier. De tout temps, elle s'était dit, moi, j'irai dans une prison et je m'occuperai des prisonnières. Par contre, il y avait des vieilles campagnardes de bonnes sœurs qui étaient horribles, qui criaient plus que les détenus, qui étaient mesquines, qui étaient bêtes, qui étaient tout ce qu'on veut, quoi. Finalement, qu'est-ce qui est le plus insupportable? Ce sont les autres filles. Lorsque les prisonniers pensent à la ville, c'est à ces deux merveilles. Des portes qui s'ouvrent du dedans, des pas qui vont en ligne droite. Pendant un mois, nous avons parcouru Paris en ligne droite. De même que notre itinéraire pouvait être fait de tous les kilomètres noués bout à bout que les prisonniers accomplissent en rond entre les murs des cours et ceux des cellules, notre regard s'est forcé d'être celui d'un de ces prisonniers au premier jour de liberté lorsqu'il essaie de comprendre comment vivent ces phénomènes, les hommes libres. Nous avons rencontré des hommes libres. Nous leur avons donné la plus grande place dans ce film. Ceux qui sont capables d'interroger, de refuser, d'entreprendre, de réfléchir, ou simplement d'aimer. Ils n'étaient pas sans contradiction, ni même sans erreur, mais ils avançaient avec leurs erreurs. Et la vérité n'est peut-être pas le but, elle est peut-être la route. Mais nous en avons croisé d'autres, en grand nombre, sur lesquels le regard du prisonnier s'arrêterait un peu incrédule. Car, chez cela, la prison est à l'intérieur. Ces visages que nous croisons tous les jours, faut-il l'espace d'un écran pour qu'apparaisse ce qui sauterait aux trois yeux du martien fraîchement débarqué? On a envie de les appeler, de leur dire « Qu'est-ce qui ne va pas, visage? Qu'est-ce qui vous fait peur, que nous ne voyons pas et que vous voyez comme les chiens ?» Est-ce l'idée que vos plus nobles attitudes sont mortelles? Les hommes se sont toujours su mortels. Ils en ont même tiré des façons inédites de rire et de chanter. Est-ce parce que la beauté est mortelle et qu'aimer un être, c'est aimer le passage d'un être? Les hommes ont inventé la naphtaline de la beauté. Cela s'appelle l'art. C'est quelquefois un peu erratique dans ses formes, mais c'est quelquefois très beau. Vous êtes à Paris, capitale d'un pays prospère, au milieu d'un monde qui guérit lentement de ces maladies héréditaires qu'il prenait pour des bijoux de famille. La misère, la faim, la fatalité, la logique. Vous ouvrez peut-être le deuxième grand aiguillage de l'histoire humaine depuis la découverte du feu. Alors, avez-vous peur de Fantômas?
Est-ce, comme on le dit beaucoup, que vous pensez trop à vous? Ou n'est-ce pas plutôt qu'à votre insu, vous pensez trop aux autres? Peut-être sentez-vous confusément que votre sort est lié à celui des autres, que le bonheur et le malheur sont deux sociétés secrètes, si secrètes que vous y êtes affiliés sans le savoir, et que sans l'entendre, vous abritez quelque part cette voix qui dit « Tant que la misère existe, vous n'êtes pas riche. Tant que la détresse existe, vous n'êtes pas heureux. » Tant que les prisons existent, vous n'êtes pas libres.